Il a commencé, le gars. Le gars a commencé. Alors qu'il a pas lancé la moitié des programmes. Ah tiens, je suis en live. Je suis en live. Alors, ça je m'en fous. Ça oui, ça oui. Ce carré, là, 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 va disparaître. Va faire, ouh, la disparition. Et putain, je suis déconnecté de tous les putains de sites du beat. Pardon. Je connais pas le mot de passe en plus. LastPass. Copier le mot de passe. Pas possible d'être déconnecté de partout comme ça. Et en plus, il me l'a pas remis au bon endroit. Bonsoir. Cette musique de... Alors, je suis pas du tout cadré correctement. Ici, là... vérifions. Il est toujours marqué en connecting. Est-on connecté? Si on est connecté, on balance le live. Oui, bah, vas-y. Les mecs, ils veulent t'inviter à leur Discord. Les streams que j'utilise là pour faire des trucs. Ouvrir Discord. Les streams que j'utilise pour streamer en même temps sur YouTube et sur Twitch, ils invitent leurs utilisateurs à les rejoindre sur leur Discord. Faisons ça. Faisons ça. Je suis transparent. Attendez, je vais écouter. Ils invitent leurs utilisateurs à les rejoindre. Ah oui, on m'entend. Mais on m'entend, mais il faut que je mette quand même le micro plus proche, quoi. Genre comme ça, là, on devrait être mieux. Là, je monte. Alors là, j'ai plus de retour. Les joies du faux contact du casque. Beat! Voilà. Donc, là, on a du son. Voilà. Comme ça. Alors, non, mon clavier est là. On a du son. Discord, tu t'ouvres ou je t'ouvre? Ça, c'est bon. Lui, il continue de dire qu'il est en connecting à YouTube. Alors, je vois que YouTube est connected. Donc, c'est con. Ça, et il manque un dernier truc qui n'est pas ouvert, là. C'est ça, je l'ai ouvert déjà? Si, il est là. Voilà. Hop! Oui, ben voilà, mais tu réouvres pas. C'est bon, j'ai compris, j'étais déjà ouvert. Eh, mais Discord, il est pété! Il est pété, Discord! Bon, on va lui dire, hop, share now. Un peu partout. Surtout les réseaux sociaux. Ça, c'est bon. J'imagine qu'on est online, mais qu'il arrive toujours pas à dire qu'on est online. Lui dit qu'on est online. Lui dit qu'on est online. Quelque part, je me dis que peut-être qu'on est online. Alors ça, c'est online. On va vérifier Twitter qu'il a bien fait les tweets. Tweet. Alors, attends, parce que ça, je vais mettre ça. Hop. Non, pas comme ça. Comme ça. Là. Voilà, donc j'imagine que là, si je fais ça, là, que je vais cliquer sur les liens, ils fonctionnent. Les liens fonctionnent, on est sur un total fonctionnement des liens. On est sur un total fonctionnement d'OBS. On est sur de la zéro image perdue, hein. Ça c'est tendance. Hein. On est sur du Discord qui se lance toujours pas par contre. Ah, le voilà, le Discord, le trou du cul. Que je vais pouvoir mettre là. Alors, on va tenter. Je dis bien tenter parce que c'est pas dit. De faire un fond vert un peu moins dégueu. C'est-à-dire avec moins de transparence. Je dis on va tenter parce que j'ai pas les lumières. C'est bon, j'ai le fond vert. Il est vert. Cependant, deux choses. Bon, déjà, ça marche pas du tout. C'est totalement vert. Pimp. Salut Aldra. Pourquoi mon chat a disparu? Où es-tu, chat? Oui, il est pas là. Et où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ah, j'avais lu Pimp, c'est Plop. Salut Aldra. Ça me faisait rire, Pimp avec le. Alors, je vais tenter d'avoir un fond vert mieux. Mais alors, ce trou du cul de fond vert. Alors là, je suis vert, mais je suis pas totalement vert.
Et là, je deviens transparent. Donc ça va pas du tout. Alors dans l'autre sens, avec ce fond vert là, ce fond vert là. Je suis pas en train de régler le bon slider. Ce fond vert là, on va sélectionner la couleur. Ouais, alors là, je suis trop transparent par contre. Là on me voit moi. Mais le problème, en fait, j'ai vraiment un problème d'éclairage. Hein. De toute façon, je le savais, mais comment je peux faire? J'ai pas mes lampes. J'ai pas mes lampes, j'ai pas tout ressorti de la cave. Du coup, c'est le bordel. Ou alors, c'est ici qu'il faut que je gère ça. Hop. Comme ça. Zéro finesse. Ouais, mais là, on voit quand même derrière un peu. Non? Si, on le voit quand même. Et puis, moi, je suis pas ouf, quoi. Non, mais là, c'est pas la bonne couleur, de toute façon. Vert. Ah là on est pas mal, mais en fait le problème avec ça c'est que bon déjà c'est pas parfait là au niveau de la jointure. Et en plus de ça, moi j'ai les cheveux qui sont bleus. Et en fait dans le bleu, comment dire qu'il y a un peu de vert. Du coup on n'est pas sûr de la perfection quoi. Ah ça c'est l'inverse de ce que je veux faire. Pour info Eldra, parce que et l'autre personne qui regarde. On est en mode réglage de fond vert en attendant que Syllab ait fini de manger et qu'il passe, qu'il arrive. Alors il m'a envoyé un message d'ailleurs et il m'a dit j'aurai 3 minutes de retard. Putain, on peut jamais compter sur lui hein. C'est pas possible ça. Ah oh, mais quel trou du cul. Alors du coup pourquoi j'ai mis magenta? Parce que là je suis ridicule, je n'ai pas de visage. Parce que quand j'ai magenta du coup je peux faire custom. Ah merde non, ça marche pas. Custom, je vais d'abord sélectionner du rouge. Il est con quoi, je ne suis pas rouge. Ok, là on est là, comme ça. Là je fais pick screen color. Voilà. Ah, mais on n'est pas trop dégueu, mais le problème c'est moi. Moi je suis très mal éclairé. Je suis très très mal éclairé. Putain. Je vais finir transparent. Je suis transparent, putain. En fait, soit je suis transparent, soit j'ai les cheveux dégueu. Hein. Soit ça grésille derrière. Mais oui, parce que j'ai pas de... Bon, déjà, le fond est pas tendu, là. Il est un peu nul à chier. Mais, en plus de ça... En plus de ça, c'est pas ouf quoi. Si je fais ça comme ça, j'essaye de l'assombrir. Si je l'assombris, c'est encore pire. En fait, faudrait qu'il soit très très clair. Genre comme ça. Mais là, sauf que là, enfin, ça marche pas. Attendez, je vais essayer de tendre le fond, sinon j'enlèverai le fond vert directement. Je sais pas pourquoi je suis embêté pour enlever. C'est vraiment max de la lumière là. Alors là il n'y a plus de lumière. Max de la lumière. Qu'est-ce que ça donne? Alors, en plus il est dégueulasse en plus d'être froissé, ça va pas aider. Mais on n'est pas si mal en fait quand il est tendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je reste comme ça ou... On n'est pas sûr de la perfection. Attends, j'essaie de régler un peu mieux. On n'est pas sûr de la perfection, mais c'est pas trop mal. En fait, le problème, c'est vraiment mes cheveux. Mes cheveux font des trucs dégueulasses. Parce qu'il soit à moitié vert. Je vais juste essayer de... Parce que là j'ai un problème derrière moi. Voilà. Là on est pas trop mal. On est pas trop mal mais on est pas parfait. Alors j'aimerais bien réussir à cacher ce micro mais... Il y a tout le principe de il faut que vous m'entendiez quand même quoi.
Ah, si je me mets comme ça, est-ce qu'on m'entend correctement? Si, là, comme ça, avec le micro. Là, je me mets là. Je mets le son peut-être un peu plus fort. Le micro me casse les couilles, donc je le baisse un peu. Là, on m'entend ou pas? Enfin, parce que là, je crie un peu. Donc, est-ce qu'on m'entend correctement quand je parle normalement? Quand je suis comme ça, je fais hey, bonjour, je m'appelle Michel, je parle normalement. On est pas mal ou pas au niveau de l'entendage? I can hear you. Tenfor. Je connais pas moi les codes de codage. Je connais que le codage de code. Alors par contre, je pense que je peux me permettre. Je pense. Hein, d'aller là. Merde. De prendre ça et de. Je crois que c'est comme ça. Non, comme ça peut-être. Alors là, non, je me déforme. Ah oh, putain, c'est devenu n'importe quoi. Je suis à peu près comme ça dans la vraie vie. Là non. Là non. Et putain, mais ce truc de rognage avec la webcam, ça marche jamais. Attendez. Transformer, éditer la transformation. À gauche, je pense que je peux dérogner un peu à gauche. Ah, pas trop non plus. Hop. Gagner quelques centimètres parce que là je suis quand même très contraint. Voilà. Et à droite, je ne sais pas. Non, à droite, là je suis en train de rogner. Rogner moins. Non, à droite, j'ai rien que je peux rogner quasiment. J'ai ce putain de truc là. C'est là. Là. Il y a une ombre. S'il vous plaît, faites que j'ai pas tout niqué. Non, ça a l'air d'être bon. Voilà, donc là on est pas mal. Il faut juste que du coup je me remette. Hop. Ça, ça doit être à peu près mes vraies proportions. De ce que je me rappelle de moi. Donc on est pas mal. Alors. Syllabe a menti. Il a dit qu'il serait là à 21h06. Il a dit ensuite j'aurai 3 minutes de retard. Et finalement, ça fait 4 minutes, ça fait même 5 minutes. Cet homme est un fou pour une fois que moi j'étais totalement à l'heure et même en avance au niveau du lancement du live. Et pas lui faire ouais, attends 2 secondes, faut que je lance le live, que je fasse les tweets, que j'aille manger des trucs. Alors je suis content parce que comme vous pouvez le voir, boum! Alors là, il n'est pas en full screen. Mais c'est parce qu'il n'est pas en full screen. Si je le mets en full screen, boum, il est en full screen. J'ai réussi à faire fonctionner la capture de jeu avec. Comment ça s'appelle avec. Vous allez me le dire. Sea of Thieves, c'est marqué quelque part. J'ai réussi à le faire fonctionner. En fait, c'est très simple. Il faut qu'OBS soit installé sur le disque principal, sur la partition Windows. Sinon, il a un problème de droit, il n'arrive pas à comprendre le jeu, il sait pas où il est, il n'arrive pas à le chercher. Voilà, c'est nul. Genre, c'est vraiment nul comme bug, mais j'ai réussi à trouver quelqu'un qui en parlait et qui disait « Ah bah c'est ça le bug ». Du coup, j'ai pu le corriger. J'essaye de monter un peu le son, si je me trompe pas. Non, il est là. Alors, j'essaye de monter un tout petit peu le son. Ah bah voilà, là on devrait m'entendre quand même carrément mieux, non? Peut-être pas trop fort non plus, mais on devrait m'entendre carrément mieux. Je vais juste check ça sur un téléphone, un truc. Je dois pas avoir le meilleur son du monde parce que je suis pas à côté du micro. Mais ça doit être pas trop dégueu non plus parce que le micro est pas non plus nul. Bon, qu'est-ce qu'il fait ce malandrin? Où c'est Discord? T'as Discord, je galère à le retrouver à chaque fois. C'est trop fort. Ah ouais. Attends, j'aurais pas dit que c'est trop fort quoi. Attends, fais voir. Je galère à le retrouver à chaque fois. C'est trop fort. Ah ouais. Non, c'est pas trop fort. C'est fort quand t'es au maximum. Mais je t'invite à baisser le son. C'est trop fort. Ah ouais. Parce que l'idée en fait c'est qu'on puisse. Enfin, normalement quand tu mets au maximum du volume, c'est censé péter les oreilles. C'est censé être trop fort. Parce que t'es pas censé écouter tout au maximum. On prend l'habitude d'écouter tout au maximum parce que les gens sont des cons et mixent mal leurs trucs et du coup on n'entend pas. Du coup c'est chiant. Alors démarrer un appel vocal avec syllabe, comme ça, quand il se connectera.
On aura de ces nouvelles. Je vais quand même baisser un tout petit peu parce que c'est vrai que c'est un poil fort, mais ça devrait être pas mal quand même. De toute façon, c'est simple, il faut que moi je m'entende. Donc, si moi je m'entends pas, c'est qu'il y a un problème. Et là, je m'entends. Donc, bah, on entend plus la musique du jeu. On n'entend plus la musique du jeu. Ah, bah, ça, c'est autre chose. Ah, non. Je la monte, la musique du jeu. C'est. J'ai la maîtrise totale. Il y a une magnifique table de fabrication. Une table de mixage. Alors, je vais tenter un truc de ouf en direct live. Hop! Je vais tenter un truc en direct live. Où est ma souris? Ma souris disparaît. Comme ça, en plein milieu. Alors. Source périphérique de capture vidéo. Mais non! Redémarrage nécessaire. Attends, parce que j'ai l'impression que je peux pas faire non. Redémarrage nécessaire quand tu branches une webcam. Mais il est fou, lui. Webcam 2. La webcam 2. Ok. Vous la voyez ou pas? Non, vous la voyez pas. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça n'a pas du tout fonctionné. Et configuré et prêt à l'emploi, ça n'a pas l'air. Hein. Faites voir. Activer. Configurer la vidéo. Annuler. Paramètres personnalisés. Résolution. On va prendre un vieux truc dégueu. Ah, voilà. Coucou. Alors, voici le bordel partout. Voilà. Et la magnifique table de mixage qui sert au PDP et au live. Qui peuvent donc servir. Alors, vous m'entendez pas en double? Non, c'est bon, la webcam prend pas de son. Qui peuvent servir donc. Regardez comme je suis beau avec mes cheveux bleus qui font presque la même couleur que le fond vert et du coup ça fait une couleur dégueu. Donc ça c'est mes vrais cheveux. C'est, mes cheveux sont bleus comme ça. Sans effet chelou de OBS et de d'incrustation, mes cheveux sont bleus comme ça. Voilà, on peut voir mon début de calvitie hein, ici. Salut Dreyfus. Donc vous voyez mon début de calvitie, mes cheveux bleus. Là-bas, un bout du salon. Et donc, du coup, ce que je voulais montrer à la base, la table de mixage qui réagit beaucoup quand je lui parle dessus. Et là, je viens de niquer les oreilles de tout le monde. Je vais enlever cette webcam qui ne sert à rien, tout simplement. Poum. Ça la désactive pas. Il y a un truc, je crois, pour dire désactiver sinon afficher. Voilà. Hop, elle est désactivée. Et ça, on va pouvoir la remettre. Ici. Bon, il vient ce syllabe ou il vient pas? Pas démarrer tout seul quand même. Enfin, si, je peux préparer le bateau, tant qu'à faire. Je peux venir jouer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avec toi. Je sais pas si c'était toi, Dreyfus, déjà la dernière fois ou pas, mais en fait, vu qu'on est deux. Et qu'on est déjà deux, et que le maximum dans un sloop c'est deux. Soit viens avec quelqu'un d'autre à la limite, soit sinon non on peut pas te prendre. Et puis en plus on ne se connaît pas et on ne va pas naviguer avec des gens qu'on ne connaît pas. Non, Galion 1-3 ça va être chiant. Ça va être chiant. Attendez, j'ai entendu un bruit. Ce reste syllabe. Oh mon dieu, c'est syllabe. Qu'est-ce qui se passe? T'as répondu en une demi seconde là. En fait j'étais déjà en appel avec toi. Ah. Tu peux démarrer un appel sans que les gens... Et on est déjà en live. Tu peux démarrer un appel sans que les gens soient là. Et comme ça, quand ils se connectent et qu'ils appellent, et ben en fait, ils rejoignent l'appel. Putain, ça c'est fort. Ah, c'est beau, hein, les conversations tout seul. Là, j'étais en train de parler tout seul, du coup. Enfin, avec les gens sur le live. Ah, il y a des gens sur le live. Il y a deux personnes sur le live qui t'attendent, qui me voient faire le con, qui voient mon début de calvitie. Eh bien bonsoir, ton début de calvitie. Ouais, j'ai un début de calvitie, je trouve. Sur le haut du crâne, et puis j'ai des petites entrées sur les pistes d'atterrissage, là, et... Il est content. Il est content que je lui dis que j'ai un début de calvitie, je me confie à lui, j'expose mes peines et mes souffrances, et il se marre. Mais ça me fait rigoler, oui. Alors... Bon, alors, du coup, t'es en jeu, là?
Bah j'allais ouvrir le jeu justement vu que tu tardais à venir, parce que t'as dit que t'étais en retard de 6 minutes, finalement de 3 minutes t'as dit, je sais plus ce que t'as dit. Et finalement c'était beaucoup plus hein. Ouais, un peu tardé. Mec, t'étais pas là quoi. C'était un petit peu plus. J'ai réussi à faire un vrai fond vert. Ah, attends, je vais aller voir ça. Mais j'ai des sur Twitch. Ouais, sur Twitch ou YouTube. Mais par contre le problème c'est que j'ai toujours les cheveux bleus quoi. Donc du coup j'ai les cheveux bizarres, gris, qui clignotent un peu. C'est ennuyeux. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que j'avais sorti une deuxième webcam pour montrer à tout le monde mon début de calvitie et mes cheveux bleus. Putain. Que tu verras peut-être si tu te connectes maintenant. Ah oui. Ah j'ai. Bon, début de calvitie. Ouais, non, moi c'est le casque qui est... Ouais, non mais enfin le truc c'est que ça va et tout le monde me dit mais non mais ça va, t'as pas un début de calvitie. Mais en fait moi quand je vois que j'en avais quand même plus il y a 10 ans quoi. Oui bon bah oui c'est normal. Ouais. Après bon, je vois très bien des gens qui sont vieux, qui ont peu de cheveux mais qui ont encore plein de cheveux. Voilà. Oui, c'est ça. Ou des gens qui sont jeunes et qui ont déjà plus de cheveux aussi. Aussi, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux très bien perdre plein de cheveux et avoir les cheveux moins fournis, mais quand même avoir tous tes cheveux sur la totalité de ton crâne. C'est pas forcément faire un trou, quoi. Ouais. Est-ce qu'on lève l'encre ? Bah, vas-y, ouais, moi je suis en attente. Allons-y, levons l'encre. Je vais passer en plein écran pour qu'on ait pas cette barre blanche dégueulasse sur le live. J'ai enfin réussi à capturer le jeu correctement. Bonne nouvelle. Ouais, en fait, fallait réinstaller OBS, le truc de capture, là. Mais fallait le réinstaller sur le disque principal, le disque C, quoi. Sinon, il est pas d'accord. Ah ouais. Ouais, parce que comme c'est une Windows app, et ben, il le capture d'une façon un peu chelou, et ça marche pas si t'es pas sur le même disque. C'est de la merde, quoi. Ah, si t'es pas sur la même partition, il a peut-être pas accès à tous les trucs. Ouais, je vois pas trop pourquoi, mais c'est parce que c'est Windows et que c'est de la merde. Bah parce que c'est Windows, ouais, voilà. Non, c'est pas de la merde, c'est très compartimenté, c'est très bien fait. Tout est organisé. Il y a Dreyfus qui demandait sur le chat qu'on fasse un galion à 3 avec lui. Et je lui disais qu'on naviguait pas avec des inconnus. Et que le galion à 3 en plus, ça allait être bordélique plus qu'autre chose. Bah voilà, des inconnus à la limite, on s'en fout. Mais à 3, c'est chaud parce qu'un galion, c'est la merde à diriger. Bah je sais pas du tout, j'ai jamais essayé. Mais alors avec moi qui connais pas... et une personne en moins, c'est peut-être pas la meilleure expérience. Mais je lui disais, s'il trouve quelqu'un d'autre qui vienne à deux, quoi. Et à la limite, y a aucun souci, quoi. Ah oui, carrément, ouais. Si on est quatre, pourquoi pas, hein, ça se tente. En plus, c'est rigolo. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Après, qu'ils s'attendent pas à des PGM non plus, hein, parce qu'on n'est pas. Ah non, mais de toute façon, il a bien dû le voir qu'on était mauvais. Alors, surtout moi. Peut-être pas mauvais, mais bon, on a notre style. Gérer le son, parce que là, en fait, j'ai le jeu aussi fort que toi, et c'est pas pratique. Ah. Genre la musique qui est comme une folle avec toi qui parle et qui dit « On n'est pas des PGM, mais la musique derrière, il fait « Ta-t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 a
montrer mon début de calvitie. T'as pris des planches, des bananes et tout là. J'ai quelques planches, quelques bananes, j'ai beaucoup de boulets de canon. Beaucoup plus que le reste finalement. Bon, mais on est bien. Alors on est bien, sauf que je me rappelle des trucs. J'ai pas de voyage. Putain, ils ont niqué tous mes voyages. Oh les salauds. Ah ouais, c'est bizarre ça d'avoir fait ça. Donc il faut aller en chercher. Je vais les chercher parce que j'en ai des plus hauts levels normalement. Bah je vais regarder si... Bah moi j'en ai deux à la limite si tu veux. Mais c'est des voyages à la con, c'est des trucs commerciaux. Ah ouais, ça dépend, c'est quoi que t'as chopé. Je vais regarder, je vais te dire. Livrer la... Bah c'est des livraisons de cargaison, c'est pas marqué en fait. Faut que je le lance pour le savoir. Ah. Mais tu vois, on peut le voter et à la limite si c'est de la merde, on l'annule. C'est grave si exactement. On fait ça. Non, non, non. On s'en fout, hein. C'est juste que tu perds les missions, mais bon, ça vaut pas beaucoup de sous, donc on s'en fout. Bah celle-là, surtout, j'ai dû les avoir gratuites, je pense. Vas-y, vas-y, mêlée, hop, on va voter. Super Smash Bros, mêlée. poule. Ah, les poules, à la limite, tant que c'est pas des cochons, ça va, parce que les cochons, faut les nourrir et tout, c'est relou. Ah ouais, faut nourrir les cochons. Et ouais, sinon ils crèvent. Il faut les nourrir beaucoup. Avec quoi? Avec des bananes. Ah, c'est casse-couille. Et ouais, mon gars. C'est la... super, un poulailler vide. Génial. Alors, poule. Ok. Bon, on va prendre les cages déjà. Parce que dans tous les cas. J'en ai pris. Hein. Ça s'est pas perdu. Ah, cool avec. Bah, vas-y, prends la deuxième. Cage. La deuxième cage, je vais chercher un trésor et un truc de crâne. J'ai totalement raté les chiens. Parce que moi, à mon niveau, les trucs de crâne là, eh ben. Je regardais c'est pas évident. Je regardais plus l'écran, j'ai juste fait un plongeon dans l'eau. Mais la physique est vachement bien faite parce que. T'as vu, quand tu portes un truc, tu tombes dans l'eau et tu coules. Enfin, ouais. Ça te fait une espèce d'inertie là. C'est super chiant. Ils ont pas changé des trucs d'ailleurs dans le jeu là parce que je le trouve pas pareil. Je sais pas s'il est plus fluide ou quoi ou. Peut-être que c'est un peu plus fluide et peut-être qu'ils ont changé les trucs. Je sais pas, ou alors c'est peut-être parce que comme maintenant je réussis à le capturer correctement et qu'il capture pas tout l'écran, j'ai pas l'ordinateur qui en peut plus de capturer tout et n'importe quoi. Ouais voilà, peut-être qu'aussi il tourne mieux. Je ne sais pas. Tiens hop, là on peut récupérer des trucs. Est-ce qu'il n'y a pas des bananes? File-moi des bananes! Yes! Las bananas! Elles sont cuites, les bananas? Yes! Et voilà, j'ai encore raté le bateau. Comment tu fais? Bah là, j'ai fait du surf à l'épée, donc. Bon, du coup, faut qu'on aille où? J'ai pas regardé. Ah! Gallon's Grave. Pourquoi Gallon's Grave? Bah, faut les livrer là-bas. Ah oui, non, ah, oui, faut oui. D'abord qu'on aille chercher. Mais ouais, après, ah. Si c'est entre les deux, c'est plutôt pas mal, quoi. Ah ouais, mais ce qui est chiant, c'est qu'en fait, je peux pas poser mes... Merde. Tu voulais faire quoi? Bah, j'aurais bien posé les coffres et les crânes, comme ça, si c'était à côté, on faisait tout d'un coup. Mais en fait, non. Quand il ouais, y a ce voyage d'activer, hein. Je peux pas. Ouais, tu peux pas en faire plusieurs d'un coup. Bah, c'est pas grave. Oh la hein, merde mais... C'est grave. C'est pas grave. Non, non, bah, on va se faire les poules et puis... Alors, on est où là? On est. Bah, regarde sur la carte. Ouais, mais parce que je suis sur la carte. Des poules et tout ça là. On est à Avant-Poste Daggertooth. Et là où on va, c'est le Gallon's Grave qui est juste à côté. En fait, si on avait sur Sunken Grove là, ce serait pas mal parce que c'est pile entre les deux. Alors attends, y'a pas une recherche sérieuse sur le truc là? Et on serait refait. C'est à... Tu veux que je te donne le lettre et chiffre là? C'est... Là où on est, c'est Q8. G, ok. Alors... Si je veux des chickens... Et on doit aller à Galleon's Graves. Ouais, ok. Juste à les côté. Chickens sont... Partout sauf là quoi. Y'en a... Shipwreck Bay... Crooked Mast... Three Rock Isles. Chypre, au sud de Daggertooth.
Ah oui, bah si tu veux, voilà, oui, c'est juste à côté. Ouais, ouais. Bah celle-là, elle est chiante. Plutôt un peu sur la droite, t'as The Crooked Mast. Ouais. Elle est vraiment chiante, le Shipwreck Bay? Ouais, parce qu'il y a plein de cailloux autour pour se garer et tout, c'est chiant. Ouais, ok. Faire des créneaux, c'est la merde. C'est noté. Bah allons-y, hein, sud-est. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, du coup. Bah moi aussi. Moi aussi, la dernière fois, c'était avec toi. Alors, sud-est. Est-ce que t'as la barre de chat qui reste affichée tout le temps, toi aussi, ou... La barre de chat, c'est-à-dire... En bas? Dans le jeu, en haut. En haut à gauche. Ah oui, non, pas du tout. J'ai appuyé sur T pour la... Ah, ça y est, elle a disparu. Pour l'afficher, et sinon... Ah, c'est peut-être le Alt Tab qui l'a... Qui l'a activé. Ah ouais, c'est ça. Ok. C'est bizarre. Bon bah let's go. Je sais pas ce que je fais. Alors on a dit sud-ouest. Ouais, bah un peu à gauche là. Hop. C'est sud-est, pas hop. Sud-ouest. Ouais, c'est ça. Hop. Les voiles. Hop. T'as remonté la... Bah vas-y, occupe-toi de la barre, je fais les voiles et tout. Ok, très bien, c'est noté. Faisons comme ça. Par contre, il y a vraiment plus de musique. Ah oui, c'est vrai que quand le jeu démarre, il y a rien. Ah bah si, ça y est. Tu as la musique ? C'est beau. C'est magnifique. Mais cette chanson, je la connais, mais je savais pas d'où. Et c'est quoi du coup ? Ben je sais pas, ça me fait penser un peu à un truc italien ou à un vieux dessin animé que je regardais quand j'étais gosse. Je sais pas, c'est pas encore clair dans ma tête. Mais... Je vois ce que tu veux dire. Mais enfin, je suis sûr que tu cherches sur internet, tu trouveras. À mon avis, il y a des mecs qui se sont déjà dit la même chose. Oui, je le pense, ouais, mais bon. Mais je vois bien un truc genre. Un genre cartoon. Ouais, genre ouais. C'est... Avec la, un personnage italien qui chante. Ouais. Un truc comme ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais, je vois mais... bien le délire. J'ai pas trouvé quoi encore. Je te remercie déjà de m'avoir aiguillé là-dessus parce que moi je m'en souvenais que je la connaissais, mais je savais même plus de quoi. Eh, on a même pas regardé s'il y avait des épaves ou pas. Attends, parce que s'il faut, il y a des épaves autour. Je trouve que le bateau va vraiment pas vite. Ah oui, on est contre vent, ok. Ah oui, par contre, je me suis pas du tout occupé de ça. Non, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas important. Au contraire, là, on est au milieu des rochers, je préfère qu'on aille pas vite. Ouais. Surtout qu'avec la pleine voile, j'ai du mal à voir où est-ce qu'on va. Ouais, ça, c'est un peu chiant, ça. Eh ben, mon gars, sur un galion, laisse tomber. Tu vois rien ? Ah ouais, non, c'est la merde. Là, pour le coup, c'est là où la coopération prend tout son sens, parce qu'il faut vraiment avoir des matelots qui s'occupent des voiles, un navigateur qui te dit où on va, etc. Enfin, c'est vraiment... Un gars qui est en haut de la vigie pour te dire aussi s'il y a des rochers à la con devant. Ouais, voilà, enfin, t'as un mec qui s'occupe, celui qui s'occupe de la voile de l'avant, par exemple, il va te dire, fais gaffe, il y a des rochers, il y a des trucs. Enfin, c'est vraiment... Galion, c'est pas du tout pareil, quoi. Après, quand tu vois des mecs qui ont roxé le jeu, qui sont déjà légendes et tout, qui ont l'habitude de jouer à 4, ça a l'air plaisant. Mais bon. Ouais, bah okay, la sœur de ma copine, apparemment, serait niveau 50. Je l'ai pas du tout vu jouer ou quoi. Mais a priori, elles ont fait ça avec sa pote à 2, 3/4 du temps, quoi. Mais bon, elles ont passé des journées dessus, quoi. Ouais, voilà, ouais, elles ont passé quelques heures... Bah c'est elle là qui avait fait le record de ah oui, tous les coffres, dans la coffres cale. Elles avaient fait 14 heures d'affilée, un truc comme ça, enfin c'est... Ouais, c'est la violence là. Ah, le chômage. Et les Twitch partners. Oh, ça va, ça va. Il y en a, c'est leur métier, il y en a d'autres qui sont au chômage. D'accord, toi t'es au chômage, mais tu vas pas à ce point là quoi. Ah ouais, moi je profite de mon chômage. Ah, je me suis chié la tête. Non, mais j'ai Max qui m'a appelé cet après-midi là. Ah ouais ? Ah, il cherche des devs dans sa boîte. Il est dans une boîte, enfin, Max, maintenant ? Des devs en freelance. Bah en fait, il est freelance pour une boîte... il était déjà pour Extra Ball en fait, quand il était à Extra Ball, il était déjà freelance dans cette boîte. Et là, ça marche grave bien et tout, et donc il cherche... des devs en freelance, etc. Donc ma foi. Ouais, écoute, si ça donne du boulot, ça donne du boulot. Et puis si t'es libre en freelance, c'est sympa aussi.
de cumuler. Bah, j'ai 2-3 clients à droite à gauche, donc. Faudrait pas qu'ils m'embauchent non plus, mais. Ouais, en freelance, ça serait pas mal. Alors, en fait, je l'ai mal pris, et je devrais aller à droite, et cette voie est beaucoup trop. Et là, on va se prendre le rocher. Ouais, on va se prendre le rocher. Ah, c'est bon, tu tournes. Ah putain, ah ouais, mais t'avais la barre carrément. Ok. Ok, on est dans le caca. Bah là, on va jeter l'encre. Hein. Et je vais descendre. T'as vu ça? Magnifique. J'ai pas vu. J'étais en bas pour vérifier s'il y avait pas de trou. Non, mais mon gars, on est passé un. Wow. Poil de cul, quoi. Bah, du coup, attends, on peut relever l'encre là maintenant. On est bien. Peut écrire son nom sur le rocher comme ça. Ah avec ouais. Le sabre. On peut graver nos initiales. Par contre, là, la voile est pas complètement montée. Hein. Ouais, mais justement, on va avancer un peu. Ah, bah, je l'ai remonté. Ouais, à peine, ouais. Voilà, on va essayer de se foutre là, dans cette plage. Là. Parce que moi, en fait, je m'étais dit, là, on n'arrivera pas à passer comme ça, il faut que je tourne vers la droite. Et en fait, j'ai trop tourné à droite, puis après, c'était le bordel, et après, on est presque mort. Et après, t'as sauvé la situation. Tiens, la seconde, là. Hop. Vas-y, relève-le à fond, voilà. Allez, ciao. Tu l'as relevé à fond? Ouais, j'ai pas pris une cage, donc ça sert à rien. Bah, ouais, il faut prendre les cages. On n'est pas déjà venu sur cette île et on a galéré comme des cons sur je sais plus quoi. Ouais, c'est là où j'avais coincé un tonneau. Je sais plus. En mode irrécupérable. Alors, c'est quelle couleur qu'il faut qu'on prenne? Je me souviens plus. Une rouge et une tachetée, je crois. Je sais plus. Je vais vérifier. Faut que je pose la cage pour vérifier. Non, une blanche et une rouge tachetée. Ah, tu vois, il y avait rouge et tacheté, je le savais. Putain, les squelettes. Ah, tu vois, ce qui est cool en galion aussi, c'est que tu tombes sur le kraken, quoi. Donc c'est rigolo un peu, ça fait. Ah, mais je me disais, c'est un peu d'ambiance. C'est bizarre qu'on tombe pas dessus à deux. Et ouais, mais je crois qu'en fait, sur les sloops, ils pop pas. Ce qui est dommage d'ailleurs. Je sais pas si c'est dommage parce que ça pourrait casser les couilles. Ouais. J'ai la rouge tachetée. Bravo, donc il me faut une blanche, c'est ça? Yes. Bah pour l'instant, en fait, j'en vois pas. Donc t'en as d'autres à côté de toi? Ouais, il y en avait pas mal, mais j'ai pas vu de blanche. Parce que moi, j'ai que des. Bah, au lieu de partir à gauche depuis le bateau, tu partais à droite et c'était bon. Ah, j'ai une poule là. Mais elle est pas du tout blanche. Là non plus. Là non plus. Là, il y a un squelette. Et il est pas blanc. Et gris. Et c'est pas une poule. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de blanche. Hein. J'ai l'impression que c'est pour casser les couilles. On va être obligé de faire deux îles. Ah, tu crois? Ah putain, non. Bah non, attends, celle-là elle est grande, il y a au moins une. Ah putain, il y a un squelette qui a popé. C'est bon, il a dépopé. C'est-à-dire que je vais niquer sa mère. Ouais, bon, je vais passer par là. Tu crois que je peux regarder Twitch tout en jouant? Pourquoi tu veux regarder Twitch? Et pour me voir, pour m'observer. Oh la pub, oh la pub, oh la pub. Ça te file des thunes quand on regarde la pub? Non, mais c'est marqué d'ailleurs, cette pub soutient Twitch. Il y a un truc marqué comme ça. Ah ouais, il y avait rien de marqué là. Non, ça me file pas de la thune parce que je suis pas partenaire Star Twitch machin. Ah ça, oui, t'es pas ok. Rien du tout. Non, Roper, fais demi-tour. Ah, attends, c'est un serpent ça. Bah, j'ai serpenté dans mes yeux donc je fais demi-tour. Ouais, il y a. Et où? Attends, parce que là. Il est où le bateau là? Le bateau, bah il est là. Il est sur ta droite. Attends, mais. Ouais, si... vas-y, va à gauche, va à gauche. Si toi t'as un décalage. Ouais, va à gauche. À gauche okay. Où Parce que je me fais buter par le serpent, en boucle. Ah putain, mais il y a un squelette là. Ouais, non, mais je l'ai buté le squelette. Mais t'as 30 secondes de décalage. Sinon, oui. Regarde-moi, je suis juste à côté de toi. Hein. Si tu tournes la tête à droite dans le jeu, je suis là. Yes. Ah, attends, j'arrive. Ouais, dès que j'arrive à sortir du coup, Twitch, en fait, quand tu charges, quand la puce se lance.
Normalement, il y a marqué quelque part dans un coin cette publicité soutient, et soit t'as le nom de la personne, soit il y a marqué Twitch. Ah, mais parce que moi j'ai toujours vu le nom du streamer dans ce cas-là. Bah, dans mon cas, il n'y a pas de nom, il y a pas mon nom, il y a marqué Twitch. Ou il y a rien marqué, je crois. Ah, ouais, mais c'est. Parce que t'es pas partenaire en fait, ok. Mm. Vas-y, viens. Pour être partenaire, faut avoir. Pas de viewers, faut avoir 200 viewers tous les jours, enfin au moins toutes les semaines, un truc comme ça. En gros, faut ta communauté, quoi. Ouais, voilà, faut avoir un cumul de vues aussi, c'est un peu. Ouais. Bah, en fait, apparemment, ils sont quand même vachement ouverts et. Bon, pas 20 personnes, mais si t'as 500 personnes, mais 500 personnes un soir sur deux, et ben du coup, ils te. Enfin, si tu le fais régulièrement et que t'as à chaque fois 500 personnes, ils veulent bien t'accepter, quoi. En fait, ils veulent des gens qui ont une communauté. Après, si ta communauté, c'est 3 personnes, ils s'en battent les couilles. Non, mais j'ai déjà fait un tour ici, il y avait vraiment que des noirs et des. Il y avait une dorée. Et ouais, ouais. Bah, moi, c'est là. Ah, bah, tiens, hop. Baril de poudre, on va récupérer déjà. Ouais, c'est là où j'ai chopé la mienne, mais en fait, ok. Bon, bah, écoute. Ah, bah, attends, ça fait le tour, en fait. Cool. Oui, bah, oui, je suis arrivé par là. Ouais, il y a Aldra qui dit que du coup tu regardes que des Twitch partners vu que t'as vu que ça tout le temps. Ouais, bah c'est possible, ouais. Bah après, moi je regarde des mecs. Connus quoi. Oui, bah tu vois, sur Sea of Steve, je regardais DJ Boucherie parce que c'est un mec. J'ai jamais entendu. Chaîne Metal. Mais franchement, c'est un mec, il a. À chaque fois que je le regarde, il y a quoi 500 personnes dans son stream. Donc c'est pas énorme par rapport à tous les types qui font des méga streams. Mais par contre, c'est toujours les 500 mêmes, effectivement, c'est une méga communauté. Et en plus, ce mec, bon, il écoute du métal, donc ça me plaisait bien. Et lui, là, il s'est fait un marathon pour arriver légende sur le jeu, c'était super sympa à voir. Il s'appelle DJ Boucherie. Ouais. Comme une boucherie. Exactement. C'est intéressant comme nom. Bah, c'est très métalleux, quoi. C'est. Mais c'était rigolo, et ouais, et lui, en fait, c'est son job à plein temps, quoi. Avec quand même une communauté de 500 personnes, alors que ouais. Bah, comme quand je regardais la pote de la sœur de ma copine, apparemment, enfin, elle a pas une énorme communauté et en moyenne elle a 500 personnes et enfin c'est déjà énorme, c'est ce que dit Aldra sur le chat, c'est énorme 500 personnes. C'est juste que là il y a genre la folie des grandeurs, maintenant on voit plus que les millions de vues, les millions de viewers et tout, mais 500 c'est énorme quoi. Bah si t'arrives à avoir 500 personnes qui viennent régulièrement, oui c'est vraiment énorme. Enfin, c'est vraiment un travail à temps plein, quoi. Ouais, non, mais oui. Parce que, enfin, je vois le DJ là, enfin, le mec il a tous ses jingles, il a des scripts de partout qui tournent pour savoir le nombre de viewers, le nombre de kilomètres qu'il a fait, enfin, je sais pas, des conneries, tu vois, les donations, tout ça. Enfin, c'est quand même assez travaillé, il a tout un truc graphique sur sa chaîne, enfin, c'est. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Non, bah ouais, c'est sûr. Non, et puis c'est aussi que. Enfin, c'est beaucoup, ça sent. Ouais, bah ouais, j'avoue. Bah après, enfin, je sais pas, moi, en fait, je regardais que des mecs qui ont beaucoup, beaucoup de vues. Ou tu vois, il y en a un autre que je suivais sur Fortnite, c'est Yann CG23 ou un truc comme ça. C'est un daron qui fait des lives et qui est sponsorisé et machin. Lui, il a toujours 1000, 1200, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes ses streams, bah, en plus, lui, il est nul, mais il le revendique. Sa chaîne, c'est il préfère rire qu'avoir du skill, tu vois. Ouais, bah oui. Mais par contre, bah, la communauté est fidèle et tous les jours, ouais, il y a 1000 personnes qui le regardent. Ça me fait délirer. On va où, là? Là, on était censé aller tout à droite, là. Ah. Je pensais que t'avais la barre, en fait. Ok, mais je savais pas qu'il fallait qu'on aille tout à droite. Bah, on va essayer, ouais, Tree Rock, parce qu'il y avait des poules. Alors, la barre veut pas tourner. Ah, tu l'as déjà tournée, ok. Ouais, je l'ai foutu à fond, ouais. Ok. Ouais, bah oui, ouais, Aldra il dit la plupart des streamers ça dépasse pas 10-15 personnes. Et moi, le jour où j'ai eu 10-15 personnes, il y avait dans les 10-15, il y en avait 12, c'était des potes. Et j'étais comme un ouf, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est des pics en fait. Mais en vrai, le truc, je sais pas comment ces mecs là font pour faire connaître leur chaîne. Qu'est-ce qui fait qu'eux ils émergent et pas d'autres, quoi. Parce que des fois, tu regardes un mec qui a 1000 viewers en permanence, et il est nul à chier, et tu vois un mec qui en a 2 ou 3. Et qui est super, quoi. Qu'est-ce qui fait que bah, lui il arrive à tenir sa communauté et pas les autres alors que les autres sont super? C'est. J'en sais rien. Je sais pas. Comme les chaînes YouTube, tu vois, c'est pareil. On est en train de faire de la merde là au niveau C'est complètement à gauche là. Maintenant. Ouais.
En plus de ça, on va se prendre le rocher si on bouge pas. Non, mais je saurais pas te dire, parce que sinon je serais une star. Ah ouais, non, mais c'est ça. Hein, c'est... Mais il y a aussi pas mal de réseautage où tu vois qu'en général, les, je dis pas que c'est du piston ou quoi, ou des trucs comme ça, hein, mais il y a quand même pas mal de fois où c'est. Tu croises la bonne personne au bon moment et ou des gens qui s'entraînent mutuellement ou des trucs comme ça ou tu vas où il y a un gars plus connu que toi qui va tomber sur ton truc et qui va du coup dire hey, regardez ce type là, il y a personne qui va le voir et pourtant c'est sympa ce qu'il fait. Ouais, c'est... après j'ai vu que ouais effectivement. Mais après enfin voilà, faut que ce soit quand même correct ce que tu fais quoi, faut qu'il y ait du boulot, il faut que enfin c'est pas du piston quoi, c'est il faut mais après il y a de la communication et de l'animation comme dit Aldra quoi. Ouais, il y, y a beaucoup de com, beaucoup d'animation, donc ça te ramène des gens à l'instant T, mais après, pour que les gens restent, etc., faut quand même que ta chaîne elle soit travaillée, que tu sois régulier, surtout. Je pense que c'est le premier truc, quoi, parce que tous les mecs, par contre, qui ont une grosse communauté et tout, ils streament tous les jours, voire tous les deux jours au grand maximum. C'est des types qui en font vraiment un métier, quoi. Enfin, une occupation en plein temps. J'ai tourné à droite, là, parce que j'ai l'impression qu'il faut remonter. Non, ben non, il fallait aller à gauche. Ouais, mais je suis pas con. Non, non, c'est moi, je suis débile. Ok, ouais, parce qu'on était bien sur le cap là un moment, pendant une demi-seconde. Ok, puis là je fais de la merde parce que du coup, là on va se taper sur l'île. Donc je retourne de l'autre côté. Bon, ça passe. Là-bas il y a des débris là, c'est un ravitaillement donc on s'en bat les couilles. C'est quoi, on n'a pas croisé une épave, rien. Un ravitaillement, c'est quoi un ravitaillement? Bah, c'est les. Tu sais, quand t'as des tonneaux de bateaux coulés dans l'eau. En gros, tu sais, je te disais, quand t'as les mouettes qui volent sur la mer, ouais. T'as une épave. Bah, des fois, t'as un peu moins de mouettes, et en fait, c'est un ravitaillement. C'est des tonneaux qui flottent, tu peux récupérer des boulets, des trucs comme ça. Et c'est un peu moins intéressant que une vraie épave. Ah, ici, ici. Ouais, là. Ouais, parfait, tout droit là, ouais. Là, on est bien. Ah bah Tree Rock, ça doit être celle qui a les... Les trois rocs. Deux pics. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Bah écoute, oui, je sais pas. Je pense que ouais, la régularité, ça joue beaucoup. Je sais que j'ai un pote qui faisait des lives tous les lundis soirs, qui s'appelait les lives du lundi soir. Et à l'époque, quand il le faisait vraiment tous les lundis soirs, bah il y avait à chaque fois une trentaine de personnes, quoi. Une quinzaine de personnes. Enfin, il y avait des gens qui venait, qui savait que c'était là, maintenant. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Et pourtant, il en fait, ça remplace la télé, quoi, chez les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui remplacent la télé par ça, quoi. Ouais, ben je sais que c'est le cas chez nous, quoi. Chez nous, souvent, c'est soit YouTube, soit du Twitch, quoi, la télé, elle est pas branchée. Enfin, elle est branchée, mais on a une Android télé, droite, on a droite. Twitch et... Ah, c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Je pensais que c'était celle en face du coup, mais non, elle est beaucoup trop loin. Non, c'est celle-là. Putain, il y a des poules là-dessus. J'espère qu'il y en a une blanche. Ouais, parce qu'elle était loin quand même, hein. Ouais, avec tous les détours qu'on a fait. Franchement, si tu vas regarder la carte en bas, c'est très drôle. Non, c'est n'importe quoi. Ouais, vas-y, on va s'arrêter là. Ah ouais, le gars il est comme ça, il s'arrête. J'entends des poules. Tu vois, ces quêtes, elles payent bien, mais putain, qu'est-ce qu'elles sont chiantes, quoi. De la merde. Je suis parti sur la cage. Ah, mais tu l'as, toi, la cage, c'est pas grave. Ouais, je l'ai prise, ouais. Non, mais ouais, c'est ça, c'est une sorte de routine pour plus simple pour pas mal de gens et pour cultiver la confiance et la fidélité. Et puis c'est surtout que comme tu... si t'es tout le temps là... Enfin, si t'es tout le temps là. Si tu... Je viens te couvrir... Si tu fais souvent des lives et tout, les gens finalement s'attachent à toi dans le sens où bah ils apprennent à te connaître, quoi. Tu l'as trouvé du coup, la poule? Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais, c'est exactement ça, c'est de la fidélisation et c'est ouais, créer un rendez-vous où les gens ils savent qu'ils vont trouver ce qu'ils attendent et puis finalement bah ils reviennent petit à petit et voilà. Hein. Tu construis une audience et. Mais bon, à entretenir et tout, c'est. Je pense que c'est un vrai métier, tu vois, t'as beaucoup de gens qui disent. Oui, les mecs qui sont sur internet, qui font des vidéos là, ça m'énerve. Alors que ils bossent pas et tout. C'est de fou, quoi. T'as un milliard de choses à faire. Ah, j'avoue, c'est. Entre il faut tout gérer, quoi. Toute la com, de l'édition vidéo,
de la gestion de communauté. Non mais c'est ça, parce qu'après, c'est de la communication de toute façon. Tu vois les gros streamers, les mecs ils ont une équipe derrière eux parce que chaque jour ils ont leurs vidéos uploadées sur YouTube, ils font leur live sur Twitch, leur machin, enfin c'est infernal. Et si tu veux faire des bons lives, au bout d'un moment il te faut du bon matos, il te faut les bonnes webcams, il te faut les bons micros, il te faut le bon fond vert, enfin c'est un métier. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah on est juste au-dessus de l'avant-poste là, c'est cool. Salut Stefcore. Bonsoir. Faut tailler un peu à gauche et on y est. Ouais bah j'avais viré un peu à gauche. Je vais virer plus. Parce que t'es pas content. Je vais monter les canons, faire genre on est sympa. Genre on est pacifiste. On veut pas la bagarre. Les pirates pacifistes. On est des pirates vegan. Jambes de bois et colombes. Jambes de bois équitable. Équitable. Putain, y a pas une épave, y a rien. Je vois même pas un stronghold que dalle. Y a même pas. En fait, y a personne connecté sur le jeu, apparemment. Mais j'avoue, c'est. En fait, y a même pas de serveur là. Tout ce qu'on voit, c'est du rêve. On a fermé les yeux et. Ah putain, si y a une épave juste à droite là. Ah, par contre, faut jeter l'encre. Ah, mais d'accord, t'es en train de foncer dans le. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, je pensais que t'allais gérer l'encre. Et en fait. Non, je cherchais, en fait. C'est pas grave parce que j'ai des planches sur moi. Il y avait une épave juste à la droite là. Bah, après, c'est intéressant comme concept aussi. Là, on est sûr d'être au plus près des étoiles. Du pont. Je prends la deuxième cage. Non, apparemment, je descends les voiles. Je prends la deuxième cage. Merde. Hein, j'en ai pris une là. Je ne sais pas. Oui, je prends la deuxième, j'ai dit. Ah, mais il y a une épave juste à côté en fait. Et ben, c'est cool, ça. Bah, ouais. Allez, livrer le poulailler. Plus 400. Putain, 199, non mais c'est de la merde cette quête là. Bah la blanche de toute façon c'est. C'est pas ce qui rapporte le plus quoi. Ah bah ça y est, je suis niveau 11. Je vais acheter vite fait le truc là des meilleures quêtes. Ah yes, bah ouais, faut moi après j'en ai. Y'a Steph Kerr qui dit la hype est retombée, vous êtes les deux derniers à y jouer que je connaisse. Oh, je connais quand même... je connais quand même des gens qui y jouent encore, mais c'est vrai que la hype est retombée un peu. Bah en fait le problème c'est que ça aurait pu être un jeu énorme s'il avait sorti dès le début avec du contenu quoi. Ouais. Parce que là toi nous on est des casus, on y joue d'une fois de temps en temps, c'est sympa de naviguer, de s'amuser, mais c'est vrai que les mecs qui jouent beaucoup, qui avaient un équipage de galions par exemple, ils sont tout le temps 4 et ils veulent se friter un peu, bah t'avais le seul truc à atteindre c'était le niveau 50 légende où tu passais 3 mois à essayer de grinder les niveaux et puis t'avais que ça quoi. Parce que les quêtes, une fois que t'as vu des squelettes, des poules, des cochons et des serpents, t'as vite fait le tour. Hein. Y a pas plus de contenu que ça, quoi. Pour l'instant. Mais apparemment, ils ont dit que ça allait changer. Bah, ils ont dit qu'ils allaient faire des events, surtout. Mais après, le truc qui est chiant, c'est que... C'est que je sais pas si c'est mieux, les events, quoi. En fait, moi, je préfère qu'il y ait plein de contenu dans le jeu plutôt que des trucs de temps en temps. Enfin, des trucs particuliers à des moments précis. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que ça c'est le truc quand tu joues pas 24h sur 24, tu te connectes 3 semaines après et tu fais ah ouais, il y avait un event, ah, super. Ouais, c'est ça. Les gens ont farmé beaucoup au début, puis plus rien. Ouais, c'est ça le problème du jeu, c'est que tout le monde a farmé et maintenant il y a plus d'intérêt à jouer quoi. Ils sont tous niveau 50. Mais après, ouais, je pense que ça fait ça sur beaucoup de jeux en ligne, donc... Bref. Oui et non, parce que après... À mon avis, on va fronter là. Non. T'inquiète, c'est maîtrisé. Alors on a plein de squelettes à aller voir. On a trois cartes. Ah ouais, bah tu vois, t'as vu à ce niveau les quêtes commencent à être... Trois cartes avec ouais. Pour chacun... Enfin trois cartes et cinq... Cinq crânes quoi. Ah oui, elle est juste là l'épave. Ouais. Et on est à 5 viewers.
On attire du monde, hein. Oh, ça c'est le charisme, ça. Ouais, et la beauté de façon globale. Tout à fait. Le sex appeal. Ouais. Ou à manivelle, hein. Non, celle-là non. Celle-là non, hein. Ah non, je suis désolé. Moi aussi, je me disais pas trop. Non, c'était ça. Allez, moi j'y vais. Oh, mais t'as pris un canon ou Non, j'ai fait le surf de. Ah, bien vu. Alors, il y a des boulets de canon. Et un. Vas-y, du coup, je prépare tout pour le départ là. Hop. C'est un galion. D'accord, jusque là on est ok. Il y a un crâne. Ah, c'est un crâne quoi? Infâme. Pas mal. Je respire un peu. J'y retourne. Il y a des bananes. Des planches. Je peux pas les prendre d'ailleurs. Quand elles flottent, tu peux pas les prendre apparemment. Ah si, tu peux normalement. Bah j'ai pas réussi. Ah mais il faut laisser appuyer là. Attends, parce que là je me suis coincé et c'est con quand même sous l'eau parce que je vais mourir. Alors c'est bon, je remonte, je respire. C'est cool ces bulles d'air à l'intérieur en fait. Faut rester appuyé. Bah non. Ouais, quand tu fais ça c'est cool. Moi je suis à côté et il se passe rien. Bah écoute. Si tu laisses F, normalement tu peux les récupérer. Ah mais non, ça doit être parce que j'ai le crâne en main. Ah oui, bah oui, forcément c'est déjà un truc. Ouais, mais c'est comme c'est des trucs que tu stockes, je m'attendais à ce que. Est-ce que tu puisses quand même. Alors... Écoute, j'ai l'impression qu'il y a que ça. Que un crâne. Ce qui est quand même tristouné, mais. Ouais. Ouais, en même temps, elle était juste à côté d'un avant-poste. Bon, faut pas trop non plus en demander. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On fait un aller-retour vite fait ou. On va faire un aller-retour. J'ai noté les trois îles sur la carte là. Hop. T'es où? Ah, t'es là. Ah ouais, j'étais noté. Donc pour les crânes, on est paré. Après, peut-être que j'ai manqué un truc, hein, mais il me semble pas. Bah, vas-y, je vais voir. Bloody Death! Ça, c'est du nom qui claque. Ah, il y a le nom qui est marqué? Même pas fait gaffe. Ah ouais, l'épave. Putain, j'ai posé sans faire exprès le crâne sur notre coffre de vêtements. Et bah, ça rend très bien. Et ben, c'est de toute beauté! Alors, il y a un bateau non identifié mais très loin. Ah, quoi que non, ça a l'air même d'être des tours, donc je dis ça pour rien. Comme à chaque fois que je parle d'un bateau. En fait, c'est jamais d'accord. Un bateau, c'est toujours. Ouais, c'est vrai qu'une fois sur deux, c'est. Par contre, tu vas être heureux. Parce qu'il y a un donjon qui vient de se déclarer. Ah! Est-ce qu'on est capable de faire un donjon à deux? Bah non, mais cette fois on a plus de temps. Ouais, non, parce que capable, oui, je pense le temps. Parce que la dernière fois, en fait, on a voulu le tenter 5 minutes avant de partir, donc c'était pas possible. Oui, voilà. Tu vois rien de plus que ce que j'ai ramené? Non. C'est-à-dire t'avais raison, il y a que dalle. J'avais bien fait mon travail. Ouais, tout à fait. Ce qui est rare. Faut que j'apprenne à faire confiance. Ce qui est rare. Non, c'est moi qui avais pas confiance. Putain, et il s'est déclaré juste à côté de nous, quoi, en plus. Ouais, non, mais c'est notre partie. Les trucs se déclarent à côté de nous. Franchement, ça peut le faire. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont l'habitude de jouer solo ou qui ont l'habitude de jouer tout court, d'ailleurs. Qui peuvent nous dire si en étant à peu près pas bon, on peut faire un stronghold à deux ou pas. Genre si on a une demi-heure devant nous, quoi. Et si, surtout s'il y a personne qui y va non plus. J'ai l'impression qu'il y a personne qui y va. Hein. Aldra, il dit, j'ai pas le jeu. Ce qui est un très bon avis. D'accord, c'est une information que nous allons prendre en compte dans nos avis futurs. Ah non, attends, par là il y a l'épave. Bon, on va quand même vendre ton crâne vite fait, au moins ça sera ça de gagner dans la soirée. Je te laisse conduire, je suis en train de refaire un tweet pour dire aux gens de venir parce que on est que 5 et j'aime pas ça. Je veux des milliers de spectateurs. Ah, bah il faut au moins faire x1000, ouais. Minimum.
Par contre, il aurait fallu remonter la voie là peut-être un peu. Ouais, je vais quand même tenter une manœuvre à la Fast and Furious là. En hommage à Paul Walker. En hommage à Paul Walker, mec, c'est dégueulasse comme personne. Je sais pas du tout ce que je dis. Tu veux que je gère en hommage en hommage à Porsche. Tu veux que je gère l'encre ou tu y es? Non, c'est bon, c'est bon. On va... Ça, c'est le chien. Y a le chien. Ouais. Il dormait jusque là. Non, non. Ah ouais, pas terrible la manœuvre en fait. Hein. Si, c'est parfait. T'es un dieu. Un peu manque de couronnes là. Alors sinon, il y a le drap qui nous disait Go Stronghold, ça cassera la routine. Ce qui est pas faux. Bah, je te laisse faire l'aller-retour si t'as envie. On va essayer. Alors par contre, bah vas-y, viens. Il faut qu'on récupère des bananes à attaquer. Ok. Parce que quelque chose me dit qu'on va en utiliser quelques-unes. 3 mmh. Plus 4 mmh. Ouais, x10, ouais. Bah ouais. On se concentre sur les bananes du coup. Ouais, bananes. Bananerie. Enfin, après, s'il y a personne encore une fois, parce que s'il y a déjà un galion dessus, quoi qu'on peut aussi faire les puputes et attendre que le galion fasse le taf. Et puis après. Et ben, après, on y va comme si on se fait tuer, quoi. Ouais, aussi. Je trouve pas de banane. Je traîne un peu partout. Moi non plus. J'ai des boulets de canon. Il y en a tellement que je les prends pas. Ah, ça y est, j'en ai. Ah merde, putain, j'ai pas de place, évidemment. Elles sont où? En haut, il y en a là. Là où je suis, tu vois où je suis? Je suis là. Je suis non, en haut. Je suis monté. Tu vois les docks? Ah là, ouais, à droite là. Hop, okay. Ouais, tu montes et en haut, il y a des. Des tonneaux! Comme dans beaucoup d'endroits. Mais ceux-ci contiennent las bananas. Las bananas. Mmh, en haut. En haut sur le chemin, tu suis le chemin et. Et chacun son chemin, chacun son destin. Chacun ses bananes. Passe le message à ton voisin, c'était ça, je crois. À Michel. Passe ton voisin, Michel. Les bananes. Passe. Là de marin, mais oui, mais non, mais c'est pas ça que je veux stocker. C'est les bananes. Stocker les bananes. Tant qu'à faire, je vais stocker les planches parce que je m'en bats les couilles. Ouais, et les poulets aussi, prends des boulets parce que. J'en ramène 10. Hein. Après, on en a au taquet des boulets. Hein. On en a 70. Hein. Je sais que ça part vite, mais. Ah oui, bon, ça va. Est-ce qu'on va en reprendre là ou on se casse? Il y en a combien là, des bananes? 25? Oh non, c'est bon, c'est bon. Allons-y. Allons-y, allons-o, comme dirait mon père. Comme t'as quoi comme... t'es un pauvre. T'as quoi comme comme arme là? Un couteau, enfin ça quoi, et un pistolet à la con. Ouais, bah alors on va prendre plutôt le tromblon. Et le tromblon. Oh. Si j'arrive à l'équiper. Contre le pistolet? Ouais. Ouais, c'est la première fois de ma vie que je change d'arme. Je suis ému un peu. En fait, le tromblon, tu te colles au squelette, tu te colles à leur tête et tu les one-shot. Ah, sympa. C'est sympa. Alors, on va y aller. Écoute, je pourrais t'aider, mais... Bon, je vais le faire. Il est où le fort? Il est à droite là-bas, ok. Ce serait... Putain, on n'a pas croisé un bateau de... Ouais. Étrange, hein? Étrange. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que tout ceci est un rêve. Bah écoute, c'est... le fort, si c'est celui qu'on voit depuis ici, il a l'air d'y avoir personne. Le tromblon, c'est l'ancêtre du fusil à pompe. Tout à fait. J'avais vu un espèce de doc
de cul à la con, enfin une vidéo ou j'en sais rien, enfin un truc sur des mecs qui étaient allés dans des studios de jeux vidéo, des trucs comme ça, et qui disaient bah par exemple les armes c'est pas du tout réaliste parce que si on faisait des fusils à pompe réalistes dans les jeux vidéo, vous utiliseriez jamais le fusil à pompe. On fait des fusils à pompe qui sont rigolos à utiliser. Ce qu'il disait, si jamais on le faisait réaliste, ça ferait zéro dégâts et il faudrait l'utiliser vraiment à bout portant pour que ça fasse quelque chose. Ah oui, un vrai fusil à pompe à canon scié. Oui, d'accord. Un fusil à pompe avec un vrai canon, ça défouraille quand même un en vrai. Ouais, j'imagine, mais bon. J'imagine que ça a pas une portée de 600 mètres non plus. Enfin, de 600 mètres peut-être. Ah oui, non. Et encore, même pas sûr, parce que 600 mètres, c'est beaucoup. Hein. Bah, 600 mètres, la plupart des armes à feu le font pas avec de la précision, quoi. Putain, y'a personne, c'est quand même... C'est... Oh, il a les yeux bien verts, lui. Moi, je dis c'est louche, quand même. Je l'ai dit, tout ceci n'est qu'un rêve. Le jeu n'existe pas. Je pense que nos 5000 viewers sont répartis sur les autres streams et ils sont tous en train de nous piéger. Ouais. Non mais c'est celui-là quand même, on est d'accord, c'est celui qui est juste en face de nous là. Bah oui. Bah ouais. Enfin a priori quoi. Ah ouais, bah... On est d'accord que c'est une tourelle ce qu'il y a à gauche. C'est pas du tout un bâton. Bah non, c'est une tourelle. Après genre aux alentours, il y a... Pas l'air d'y avoir En portée efficace, une arme d'assaut c'est 300 mètres, peut-être 10 mètres max pour un fusil à pompe. Ouais, c'est à peu près ce que j'avais en tête aussi, mais après, j'y connais rien en armes. C'est ouais, même 300 mètres en AR, ouais, oui, enfin, oui, ouais, en tout cas, techniquement, ça peut le faire. Après, oh, il a les yeux rouges, faut avoir un peu de chat quand même. Est-ce que c'est parce qu'on se rapproche ou c'est. Où il y a tu les vois rouges ? Ouais, où il y a un rapport. Ah ouais, non. Ouais. Ben... Peut-être qu'il y a un rapport avec les différentes vagues. Je sais pas. Ok, donc là, ça y est, il nous tire dessus. Écoute, je ne vois pas, je regardais si derrière on voyait des gens, mais je vois personne. Non, je vois que dalle. Est-ce qu'il faut qu'on... Waouh ! Je me suis pris un tacle, je suis dans l'eau. Toi aussi ? Ah non, pas maintenant, pof. Ah, mais je me suis pris un boulet de canon, directement en pleine face quoi. Est-ce que ça t'est venu à l'idée de l'esquiver? Bah en fait je l'ai reçu dans le dos. Ah oui, bien sûr, oui. Je vois. Je vois. Désolé. Ah bah moi ils m'ont tué là. Ils t'ont tué? Ouais, mais putain, j'essaie de... Bah attends, toi tu vas revenir sur le bateau, on va attendre ton bateau. Ouais, mais ils nous ont déjà mis plein de trucs dans la coque. Oh là là, l'échec, oh là. La tristesse. Et moi je vais appeler la sirène. Mais alors est-ce que je l'appelle maintenant ou j'attends que tu respawns? Faut que j'attende. Ah non, vas-y dès que tu peux hein, parce que là le bateau il est en train de s'échouer, il est en train de faire de la merde. Ok, bah je vais retourner sur mon navire. Elle vient d'apparaître à l'instant. Ah oui, il s'échoue totalement. On sort? Enfin je sors. Parce que là j'ai pas le temps de le découler je pense. Hein. Non non, là j'ai pas le temps. Attends. De le découler. Non arrête, on peut pas crever comme ça. C'est lamentable. Ou alors faut que t'es cop si tu viens de repopper. Bah non, mais là je peux plus clouer, ce qui veut dire qu'on est coulé. Non non, mais il est coulé, tu peux sortir. Par contre, oh, putain. On peut buter les gens. Bah non, mais ça sert à rien. Si quelqu'un va chercher un autre bateau. Bah ouais. Mais on est vraiment aussi nul que ça? Bah écoute, c'est un coup de pas de chance. Je me suis pris un boulet de canon en plein pendant l'avancée. J'ai un peu envie de pleurer là quand même. Ah, t'inquiète pas, tout va bien. Surtout qu'on avait un baril de poudre à l'intérieur. Putain. Ah bah on aurait dû le sortir. Ça j'y ai pas pensé. Oh les enfoirés, comment ils m'asmatent? Ils t'asmatent? Oh putain, mais on a pas de banane. Enfin moi j'ai pas de banane. Il est là le baril de poudre, hein. Il est resté là. Tu veux que j'aille chercher un autre bateau? Bah ouais, là. Je suis mort ouais. De toute façon donc. Donc je vais forcément aller chercher un autre bateau. Par contre je sais alors, pas où on est. Pour les viewers, ça c'était ce qu'il fallait pas faire. Comment ne pas aborder un stronghold. Et les fusils d'assaut c'est 400 mètres pour les meilleurs et 200 pour les pas top. Et sinon pour le skill c'est pas ici. Ouais,
Ouais, donc tu vois, ça t'a pas non plus une portée. Bon, je vais pas tarder à crever aussi parce qu'ils arrêtent pas de me tirer dessus là. Bah, en fait, si vous pouvez ne pas crever le temps que j'ai le bateau. Ouais, mais même en fait. Trop tard. De toute façon, il faut que je revienne. Ouais, on va la refaire, mais en mieux. Bah, surtout qu'il est toujours à côté, c'est juste qu'on est derrière cette fois. Cool. Ah oui, par contre, on aura plus de bananes, on aura plus rien. Bon, c'est pas grave. Bah, attends, il y en a peut-être ici, hein. Banane. Je suis pas sûr qu'il y en ait sur les sur le Stronghold. Non, pas cool. Sur le Stronghold, mais là, sur l'île où on est apparu. Ah, mais toi, t'es pas apparu sur la même île? Bah, si, non? Si, je pense, oui. Je suis encore sur le vaisseau Phantom. Forcément, t'apparais sur la même, en théorie. El Fantomas! Ouais, c'est bon, il y a toujours des bananes. Fantomito? Attends. Il y en a des bananes sur l'île. Ouais, bah du coup, on va toutes les récupérer. Non, mais ils sont pas cons, ils te font récupérer. Ils te font reprendre quand même sur des îles avec 2-3 merdes. Hein. Histoire que ce soit pas abusé non plus. Bah, ce qui est bien dans notre cas, mais imagine. On aurait été sur le Stronghold, on faisait chier des gens, on repop juste à côté avec des bananes et tout. C'est un peu abusé. Ouais. Ça veut dire qu'on peut les enchaîner et les faire chier tout le long, c'est un peu. Moi, je pense qu'ils ont prévu que les gens soient gentils. Putain, on n'a pas tout fini là, hein. Il y a encore des bananes à prendre. Hein. Ouais, mais t'inquiète, hein, je relève juste l'encre. Là, on va pas bouger. Ah, mais par contre, on est quand même assez loin du Stronghold. Ah ouais, j'ai pas regardé non plus en détail. On s'en fout, y'a personne dans le jeu de toute façon. C'est vrai qu'on a un serveur privé. Personne va le faire. Y'a plus de bananes. Par contre, y'a des boulets de canon, j'en prends. Il doit rester des planches. Ouais, je les ai prises. Je sais pas s'il y a autre chose. Je pense pas. J'ai essayé de monter en haut de ces rochers, je sais pas si ça sert à quelque chose. En tout cas, c'est rigolo. Ouais, ça marche plus. Bon, je me casse. Là, y'a rien de spécial. J'ai raté mon surf. Putain, mais à chaque fois, okay. Je passe de l'autre côté du bateau, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est chiant ça. Bon, t'oublies pas de prendre des bananes? Bah, j'en ai pris. Ah, tu veux dire dans. Non, mais enfin, je veux dire, garde-en 5 sur toi. Ouais, bah, je les garde toutes alors. Parce que j'en ai 4. En plus, on a le vent un peu dans le cul, donc c'est cool. Je vais poser les boulets de canon parce qu'ils vont pas trop me servir. Est-ce qu'on les charge pour quand on arrive sur eux? Non, parce que le canon, on n'a pas besoin normalement. Là, on va faire une approche en escalope 4-4-2. Personne ça devrait bien se passer. Prépare des planches quand même. J'en ai sur moi. Le skill escalade est pas top non plus, on me dit sur le chat. Ah mais non, mais je pensais pas du tout à ce Stronghold là. Moi j'en avais vu un autre de dos, mais qui n'est plus là, j'ai l'impression. Donc je pense qu'en fait c'est pas le même vers lequel on va. Bah c'est pas possible, il y a qu'un seul Stronghold par serveur normalement. Ah ouais? Me semblait. Il y en a qu'un seul par serveur non? J'en sais rien. Bon, j'en sais rien en fait. Parce que la carte elle est pas immense hein. C'est vrai. Non mais regarde à droite. Y'a pas un Stronghold qui clignote là-bas? Je vois un truc qui clignote au loin dans les nuages. C'est peut-être un orage. Tu penses qu'il y a des orages? Ah oui. Je vais voir pour te gérer la voile. Ouais, j'arrive. T'es occupé? C'est madame qui me parlait. Quelle idée aussi. Ah ouais, voilà, quelle idée. On y va avec des gens. Attends, je mets cap sur le Stronghold, je vais l'aider à faire un truc, ça me prend 30 secondes et j'arrive. Oh, vas-y, prends ton temps. Là, on est dans le cap. Je gère. Je reviens. Je gère tout. Vas-y, gère. C'est la gération. Ça, c'est une porte qui grince. Hein. Moi, je m'y connais en porte qui grince. Je suis sorti 8 ans avec une porte qui grince. Pourquoi vous bombardez pas l'île avant d'accoster? Parce que ça sert pas à grand chose. Surtout que quand tu es aux abords de l'île et pas à l'intérieur, enfin quand t'as pas dépassé en gros les tourelles,
elle te tire dessus. Donc du coup, en fait, c'est méga chiant de rester aux abords de l'île parce que tu te fais couler. Enfin, on te coule. Alors là, par contre, si on reste cap-cap, on se prend les rochers. Donc en fait, on a plus d'intérêt à foncer droit sur l'île, à la limite se cracher dessus, réparer avec des planches, et en plus, quand t'as foncé sur l'île, ils arrêtent de te tirer dessus, donc t'as le temps de réparer et personne vient t'attaquer. Donc en fait, c'est plus intéressant de pas bombarder l'île et d'aller au plus près de l'île le plus rapidement possible. Est-ce que j'ai répondu à ton interrogation? Ré. Stacor nous demandait pourquoi on bombardait pas l'île, et je lui disais parce que pour bombarder l'île, il faut rester loin de l'île, et rester loin de l'île, c'est-à-dire qu'ils nous tirent dessus. Ouais, et puis en fait, il vaut mieux rusher direct sur l'île, parce qu'après, ils arrêtent d'être bombardés. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Si tu vas tuer les... Et en plus de ça, je viens d'y penser, mais ils ont des murailles, enfin, ils ont des planches en bois, quoi, qui... Du coup, tu peux pas bombarder quand t'es proche de l'île, et quand t'es loin de l'île, ils te tirent dessus, donc en fait, tu peux vraiment pas bombarder, quoi. Ouais, en plus, pour les bombarder, faut être de travers, enfin, c'est un peu... Mais une fois que c'est commencé, cela dit, vu qu'ils arrêtent de te tirer dessus, tu peux, si t'as quelqu'un sur le bateau, essayer de leur envoyer des boulets pour casser les vagues de squelettes, mais bon. Ça c'est quand t'es 4 quoi. Putain, il y avait une épave là-bas. Merde. On la fera au retour quand on aura gagné le coffre. Ouais. Skill réponse au top. On sait au moins faire un truc. Répondre à des questions. Voilà. Ah ouais ouais. Ah moi c'est l'histoire de ma vie, de toute façon hein. La théorie je l'ai à fond, hein. C'est la pratique qui marche pas. Comme le dessin. En dessin, moi, je connais plein de trucs de théorie et tout. En théorie, je devrais super bien dessiner. Bon, en vrai, je dessine mal une patate, quoi. Alors qu'une patate, c'est pas compliqué à dessiner. Oh, une patate, normalement, ça se dessine plutôt pas mal, ouais. Eh ben, il a les yeux bien noirs, ce... Ah, mon Dieu, ils sont verts. Longueur de la voile. Attends, mais il est où, ce putain de... Angle de la voile. Ah non, en fait, on était déjà dedans. Il y a un bateau là à gauche, hein. Je sais pas si tu l'as vu. Non, mais en fait, on est vachement loin de ce putain de truc. Sinon, il y a un bateau à gauche qui nous fonce droit dessus. Tout à fait. Un petit sloop. On le def? Non, non, on continue tout droit. Parce que lui, il va nous def, hein. Je les connais, moi, les sloops, hein. C'est ouais, sloop. T'inquiète, j'ai. Alors là, ils tournent carrément, ils vont carrément nous venir dessus. Il y en a un qui est au canon. 100% il nous tire dessus. Ah bah tu lui tires dessus. Ah bah tu le def même. Ils sont deux. Faut aller clouer des trucs. Non 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 non, vas-y reste à la barre toi. T'inquiète. Okay. Je jure qu'il a. Ils sont nuls. Ils sont très nuls effectivement. Toi t'as bien tiré par contre. Bah ouais. T'as atterri en plein sur le pont. Et la prochaine fois faut que j'arrête de tirer, que je te laisse faire. Skill tirage là on est pas mal hein. Est-ce qu'ils... Qu'est-ce qu'ils font là? Bah j'ai l'impression qu'ils font demi-tour et qu'ils veulent nous suivre. Ah mais parce qu'ils savent qu'on va au Stronghold. Bah c'est pas grave, laisse-les venir. Attends tiens, je vais éteindre nos lanternes là, comme ça sera fait. C'est quoi, gauche? Ah mais on a de l'eau dans la cale, c'est normal ça? Bah je t'ai dit, on a pris un boulet de canon, est-ce que je vais clouer les planches? Et tu m'as dit non, reste à la barre. Ah mais j'avais pas vu qu'ils nous avaient touchés. Bah je savais pas s'ils nous avaient touché, j'allais vérifier et tu m'as pas laissé vérifier. Ah tu ouais. m'as dit non non c'est bon, y'a rien, ils sont nuls. Ah oui, oui non, en fait. Moi je t'ai fait confiance. Touché sur l'arrière. C'est bien ce qui me semblait, qu'ils avaient touché l'arrière. Bon ah, t'inquiète pas. Par contre, où est le Stronghold? Ah mais en fait eux ils vont nous casser les couilles. Hein, parce qu'ils vont nous suivre jusqu'au bout. On va être obligé de les couler, pof. Ok. Il va falloir qu'on soit tacotique. Versatile. Vertical. Ouais. Putain, on aurait le baril de poudre là, on te l'aurait foutu dans le sillage. Attends, le Stronghold il est loin, on est d'accord? Non, bah il est devant quoi. Mais il est mi-loin. Attends, je regarde la carte. Ouais, il est mi-loin, j'ai le temps de tenter un truc et de me chier. Est-ce que j'ai des balles? J'ai des balles. Tu veux y aller Ouais, je veux me laisser couler et les choper sur leur propre bateau.
Fais gaffe parce que te laisse pas couler longtemps. Moi. Attends, je vais essayer, mais. Ouais, ouais. Banzai! Je te regarde un peu de loin. Mmh. Un peu admire plus... le fail. Je te vois plus en fait. Ça a rien que je regarde. Je vois absolument rien. Je suis sur leur bateau. C'est vrai? Ouais, j'ai tué le capitaine. Je te vois pas parce qu'ils sont un poil trop loin, ils sont pile trop loin pour... Ah les bâtards, ils m'ont fait tomber! Bon, mais leur capitaine est mort, donc c'est bon. Ouais, le bateau se barre en couille à droite là. Oh ouais, putain, ouais. En plus il y a des rochers, c'est possible qu'ils se prennent un rocher. Et nous on a le temps encore. Hein. Non, c'est ah, bon, ils se prennent pas le rocher. Non, non, ils l'ont esquivé. Il y a Steph Core qui nous dit GG. Eh bien, merci Steph Core. C'était merci un plaisir. Steph Core. Tout ça, c'est grâce à moi, évidemment. Ouais, ouais. J'ai tenu fièrement la barre. Merci. Au bout d'un moment, il fallait qu'on fasse une démonstration de skill, donc bon. Je peux donner une à personne. Pense à recharger ton flingue. Ouais, voilà. Ferme bien ta gueule, recharger, on continue. Bon, cela dit, ils sont où là? Bah, je sais pas, j'ai pas regardé. Ah, ils sont tout là-bas, ok. Je les vois, ils sont. Je pense un avant-poste, ça? Même pas. Ouais, ils passent derrière une île, ouais, bon. Ils avaient pas de projet, les mecs. J'ai l'impression, ouais. On approche de l'île là, donc. Je vois ça, ouais. Et. Voilà. Et ils nous tirent dessus. Est-ce que je vais combler les trous? Ouais, ouais, prépare-toi. Oh, l'esquive de boulet que j'ai faite. Par contre, ça aurait été cool de remonter la voile un peu avant. Ah merde, bah je suis plus là, je suis en train de. Ouais, c'est bon, j'ai. Ah putain. Le problème de ces situations-là, c'est qu'on se prend des boulets de canon en même temps. Donc du coup, va combler les trous pendant que t'en reçois d'autres. Merde. Là, je pense qu'on a un deuxième trou, un troisième trou même. Un quatrième trou. Oh putain. J'en ai pris un peu dans la tronche. On va frotter un peu, c'est normal. Hein, ouais, c'est de plus en plus chaud en bas parce que j'ai pas le temps d'écoper. Attends, je vais y arriver. Il ne tire plus dessus? Si, mais j'écope. Ah putain, oh, putain. Faut que j'en prenne. Non mais s'il te plaît, je voulais mettre ton plein dessus quoi. Bah comme moi tout à l'heure. Hein. Ouais mais là on était à l'intérieur du bateau donc normalement... Bah j'étais à l'intérieur. Ah oui non, toi t'étais à l'intérieur. Non ouais, j'étais en bas, j'étais en train d'écoper. Oh putain, mais il nous tire encore bien dessus hein. C'est trop de balles. On est vraiment pas bon. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est bien, on est bien mauvais. Bien bien nul. J'hésite à aller là-bas à la nage et le def. Ah, tu veux le squelette dans la tour? Ouais. Parce que là il casse les couilles en fait. Putain, il continue de faire des trous, c'est trop bon. Ah, mais. Ah, mais c'est bon, attends. Putain. Bon, vas-y, je vais le défoncer. Vas-y. C'est quelle tour là qui tire? C'est celle qui est dans notre cul. Oh mais non mais... Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a? Je saute sur le toit, je prends le poulet en plein dans la tronche. Je check les trous moi. Pour l'instant il y en a pas. Ah si, mais à chaque fois il répète le même. Ouais mais je vais lui défoncer la gueule. Et à chaque fois je me prends le boulet dans la face aussi. Mais ça va, à l'intérieur ça fait pas trop de dégâts. T'y vas là parce que je te vois pas du tout en fait. Ah parce que là pour l'instant je suis décédé. Ah t'es décédé? Ouais. Le gars est mort quoi. Ah bah c'est lui ça. Reste pas là parce que on va recevoir un autre boulet dans la gueule. Ouais. En fait ça sert à rien que j'essaye de réparer parce que je me fais def dès que je mets un pied ici. Donc je vais écoper en attendant. Vas-y, je suis en approche de la tour là. Je fais diversion. Tirez-nous dessus. Gigote.
Je vais aller réparer. Quand je répare, il me tire dessus. Putain, mais à chaque fois, je me le prends en pleine face. Oh, mais il y a plein de squelettes, en fait, là. Et dedans, il y en a plein. Ouais. Écoute, pendant que tu fais ça, il me tire pas dessus. Donc, je suis pour. Voilà. Là, c'est bon. Ça va, c'était pas trop dur? Je t'avoue que c'était... il fallait un peu de skill, mais bon, je me suis concentré. On est très skillé de toute façon. Mais en fait, il y avait trois squelettes dans le bordel là. Écoute, j'écope les derniers trucs. Ouais, ouais, on répare bien, on relève l'ancre, la et voile. Et c'est bon, on a vu, on se barre. J'ai un baril de poudre dans les mains. Ah, parce qu'il y en a une ici, et alors les autres nous tirent pas du tout dessus, quoi. C'était juste celle-là qui est restée réveillée. Tu veux qu'on relève la voile, l'ancre et tout? Ouais, ouais. Oh putain, ah, c'est le requin qui me bute, ok. Tu te fais buter? Ah, il y avait le requin qui me touquait. C'est un bateau ou c'est une tour, ça, là-bas? Non, c'est une tour. T'as tout réparé, là? J'ai pas remis la barre au centre. Ah, par contre là il faut parce que sinon on va tourner. Ouais. Ah non, si, elle est au centre. Si, elle est au centre, tu l'avais laissé au centre en fait. Nickel. T'es un sacré joyeux le rond. Ouais, ouais, toujours avant de partir, je la mets au centre. Toi, tu trouves des contresens là. Bon bah j'ai pris des bananes. Ok, bah moi je vais en manger quelques-unes déjà pour me. Ah ouais, d'ailleurs je vais en manger une aussi parce que je suis à moitié de vie. Force de m'être pris les boulets de câlin. Je vais avancer mon clavier pour éviter de me faire une tendinite. Et on y va quand tu veux. Hop, je prends des munitions et on est parti. Moi je suis. Donc là les premiers. T'es parti par où premiers... Ah, t'es là. Oh, je suis parti par là où ça marche. Les premiers, oui. Les premiers normalement sont faciles à buter. Tu conseilles l'épée. Après, de ce que j'ai vu, après, il y a des squelettes qui peuvent apparaître qui sont un peu dorés. Et de ce que j'ai vu, il faut les mouiller avec le seau d'eau. Ah ouais? Ouais, pour qu'ils rouillent et que tu puisses les taper. C'est particulier. Putain, il y en a qui ont des pistolets là. Ouais. Ils font mal ces bâtards. Oh, mais il y a un pistolet qui me tire de. Je sais pas où. Putain, je me fais ken par 15 squelettes là, c'est bon gros, calmez-vous. Putain, et pourquoi ils sont rapides? Mais putain, y'a un mec qui me tire dessus là, je sais pas d'où ça m'énerve. Ah, moi aussi je viens de le voir là. Enfin, eh ben c'est lui je pense. Trop de balles. Ah ouais, en fait j'en ai deux, d'accord. Ah oh. Ok, d'accord, faut que je remange. Ah ouais, non mais laisse tomber, ils sont trop pleins avec des pistolets là. Ok. Ah. C'est lui? Oh mais non mais ils sont... En fait, ils se cachent dans les fourrés avec les pistolets pour te tirer dessus. Ah ouais, non mais ils sont... Ah putain, je me fais def, je suis mort. Ils arrivent à 5 sur toi et ils te démontent. Non mais ils sont nombreux, t'as vu le nombre qu'il y a? Bah j'ai pas vu en totalité, non. Je les ai pas vus de façon globale. J'ai vu les 5 autour de moi en train de me def, mais... Le gangbang de squelettes, quoi. Ah ouais, non mais c'est pas possible, là, ils ont fait un truc. Ah bah la dernière fois, c'était comme ça aussi, hein. Ah non mais attends, mais à 2, on peut jamais faire ça. Bah c'est peut-être fait pour être que à 4, hein. J'ai vu des mecs qui le faisaient tout seul. Tout seul? Et comment? Bof, t'es plus sur le bateau? T'es plus sur le bateau? Là, je suis sur le bateau et on me tire dessus. Parce que ça a repopé dans cette putain de tour. Non. Si. Et je pense que c'est quand je suis réapparu que ça a popé dans la tour. J'hésite à essayer d'avancer de 5 cm en allant à gauche.
En mode, peut-être que si on est assez loin, ils nous casseront les couilles. Se mettre derrière le caillou. Ouais, là c'est bon, là, ici c'est bien. T'as jeté? Merde, c'est ouais, bon. Tu l'as arrêté, en fait. Je suis un connard. Là, personne ne tire dessus. Oh, les bras cassés. Personne ne tire dessus. C'est parfait. Ouais, là, c'est si, bon. Si, on nous tire carrément dessus. Totalement, ah, oui. 100%. Je vais plancher. Je te laisse bouger le bateau. Ah oui, d'accord, ok. Bah, parce qu'en fait... T'es au courant qu'on a un peu un baril de poudre juste devant la barre? Non, je suis pas au courant. Par contre, je suis au courant qu'on a 15 trous dans... Putain, je me ramasse des bouts dans la gueule. Non, c'est n'importe quoi, là. Ok, mais alors là, c'est vraiment casse-couille. Je vais pas t'affoler, mais on est bientôt mort. Mais là, c'est bon, on ne tire plus dessus, hein. Là, c'est bon, je me suis barré. Par contre, on a un sloop à notre gauche. Ah. Et tu t'es barré. Ah, on s'est barré de l'île carrément. Ouais, ouais, je me suis barré juste pour prendre un peu de. Et du coup, ils nous retirent dessus. Ah, bah là, ils nous retirent dessus. Ah. Ils sont forts, hein. Ah, ça vise bien, ça vise bien. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas le temps de tout réparer. Si ça repète. Ah, putain, mais ils arrêtent pas de me toucher, de me foutre en l'air là. Ouais, bah moi aussi quand je répare. Hein. Attends, on va s'arrêter là. S'ils nous tirent pas dessus. Hein. Non, non, là mon gars, je te dis que là on est à l'abri. Hein. On a des trous, mais partout. Je pense qu'on a plus de trous que de bateaux. C'est un bateau émental là. C'est bon, ça fuit plus. Je vous laisse augmenter vos skills et copeurs et charpentiers, bon courage à vous. Salut Stefcor, merci à toi de ton soutien sans faille et de tes compliments, je crois. Je suis pas sûr. Tout à fait. Alors attends, parce qu'il faut qu'on se méfie, il y avait un bateau qui arrivait là, un sloop. Ah mais du coup on est toujours sur l'île là, t'as juste fait le tour, ok. Alors en fait je me suis foutu derrière les rochers, comme ça tu vois, ils nous font plus chier. Par contre... Je suis en bête. J'arrive. Par contre quoi? Voilà, tu vois, ça tire. C'est que en fait par là où je regarde là, tu vois, par là? Par là-bas là? Ouais. Il y avait un sloop. Ah d'accord, tu penses que ça se tire sur le sloop? Ouais, je pense qu'ils sont en train d'arriver en fait. Ah t'as vu, je suis tombé là moi aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Attends, je vais juste voir. Parce que s'il se loupe, on s'en fout, hein. S'il se loupe, le sloop. Ouais, ouais, ok. Donc il tire bien sur le sloop. Il est en train d'arriver vers nous. Est-ce que tu veux qu'on aille mettre le baril à l'endroit où t'es exactement, en fait? Comme ça, s'ils viennent sur nous, ils se def. Non, parce qu'ils prennent un large. Ah, bon, s'ils se cassent. En fait, les mecs sont juste là pour nous faire chier, pour... Ah, y'a un requin, fais gaffe. Ah oui, ils viennent vers nous, j'ai l'impression. Ah non, ils se cassent, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font. Non, parce qu'ils nous cherchaient, maintenant qu'ils nous ont vus, ils vont venir sur nous. Ils veulent juste nous empêcher de faire le fort, quoi. Super, bonne ambiance. Ah non, là, ils se barrent. Je sais pas trop s'ils se barrent définitivement. Hein. Peut-être qu'ils se barrent juste pour derrière les rochers pour se réparer et revenir. Chier, putain, on va jamais y arriver à faire un fort. Hein. Bah, à deux, à mon avis, on se galère. Mais toi, t'as vu des mecs les faire tout seuls? Ouais. Avec combien de skills? 4000 à peu près. Non, non, mais franchement, le mec se les fait tout seul, easy en plus. Quoi.
Alors ouais, ils sont là-bas. Je me demande si c'est pas les deux autres blaireaux de tout à l'heure là. Ceux qui ont pas réussi à tirer. Ouais. Bon, tu sais quoi, je vais quand même poutrer les squelettes moi. Tu les surveilles? Bah ils reviennent j'ai l'impression, je sais pas. Non ils reviennent pas, je sais pas ce qu'ils font en fait. Alors il y a le drac qui nous dit que peut-être qu'on devrait attendre qu'il fasse jour aussi. Ouais pour les... Parce qu'il y a, je crois qu'il y a des squelettes fantômes, je sais pas quoi. Ouais. Je t'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre s'ils s'en vont ou s'ils reviennent là les mecs. J'ai un baril de poudre mec, on est sauvés. Bah ils reviennent vers nous. C'est vrai ? Non non ils se cassent, ils se cassent. J'ai mal vu, ils étaient dans le sens inverse. Et sinon tu les intimides hein ? Comment ? Bah tu montres ton zizi, le canon, tout ce qui passe quoi. Lui dit, enfin il disait pas de nuit pour la visibilité, mais en fait le vrai problème je pense pas que c'est la visibilité, c'est que les squelettes c'est... ça devient des gros cons. Ouais en fait de nuit... Ils te tapent plus. De nuit, il y a des squelettes, c'est des ombres en fait, et si tu les éclaires pas avec ta lanterne, donc ça veut dire que si t'as pas un mec qui tient la lanterne, et ben tu peux pas les tuer. Ah oui, d'accord. Donc quand t'es 4, ça va. T'as un mec qui tient la lanterne, c'est cool, quand t'es 2... En fait, les mecs sont pas partis, ils sont derrière le rocher, et je sais pas ce qu'ils foutent, ils se sont posés derrière un rocher. Ouais, parce qu'ils attendent, tu sais ce qu'ils attendent? Ils attendent que le crâne disparaisse. Ça veut dire qu'on a chopé la clé pour ouvrir le butin et tout, et venir nous piquer la clé. Mais laisse-les squatter là, c'est bien. T'inquiète. Pour l'instant, j'ai un chien. J'arrive à tenir le squelette tout seul là. Entre mes jambes, ce trou du cul. En fait, j'ai l'impression que quand on est deux, ils s'excitent les squelettes. Hein. Ouais, non, non, c'est pas ça. En fait, c'est des vagues. Là, je viens de faire popper la deuxième vague. Non, mais Kenine, je suis occupé, ça se voit. J'ai pas besoin d'un chien entre mes jambes. J'ai déjà un monstre. Pardon. Du coup, je te rejoins ? Non, 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 surveille, surveille. Ah, ok. Je serai ton surveiller. Oh ! Putain, ouais, ils font mal quand même, les bâtards là. Fais attention à toi. Ouais, c'est pas du jeu. Wow. Ils sont toujours là-bas, hein. Ils font rien. Oh putain, je suis mort en tombant comme un con. C'est con. Je monte en haut de la vigie parce que déjà c'est plus classe. Et en plus je verrai mieux. Ouais, parce que tu verras mieux. Ah et puis en plus ça me permet de voir sur le fort aussi. C'est trop classe. Ils sont où là les mecs? Ils sont toujours dans leurs cailloux. Toujours entre les cailloux là-bas. Ils bougent, ouais, pas. Ils attendent pas. Ils ont relevé la voile. Qu'on fasse le fort. Parce qu'en fait, si tu veux, le fort, tu poutres toutes les vagues là, à la fin t'as un capitaine qui arrive, tu le tues, et tu récupères une clé. Ouais. Et cette clé te permet d'ouvrir la grotte du butin, mais c'est genre t'as 15 000 coffres, enfin c'est abusé quoi. Genre à deux, on va mettre 10 minutes à le charger. Je vois. Et sauf qu'en fait, cette clé, bah tu peux l'appliquer aux autres joueurs. J'imagine. Et donc, dès que la tête de mort disparaît, ça veut dire que l'event est terminé, donc ça veut dire que t'as poutré le capitaine et que la clé est tombée quelque part. Donc les mecs, ils attendent qu'elle ait disparu, hop, et après ils viennent te piquer la clé. C'est pour ça que la plupart des joueurs la cachent, une fois qu'ils l'ont, normal. Ils la cachent où? Bah, où ils peuvent. Sur l'île? Ouais, un endroit sur l'île... Ah, ils bougent. Et ils bougent, mais je sais pas ce qu'ils font. Ils pourraient venir vers nous, tout comme partir. Pour l'instant, en fait, ils sont au niveau des rochers, donc ils ont pas décidé s'ils allaient vers nous ou vers l'extérieur. D'accord. Tu vois, ils bougent en translation horizontale, quoi. Ah, là, ils tournent vers la gauche, donc c'est possible qu'ils viennent vers nous en faisant le tour du rocher. Bon, tu me dis quand ils ont fini de translationner. Ils ont l'air de tourner vers nous, hein. Ah ouais? Ouais, à moins qu'ils rechangent de cap, mais non, non, là, ils tournent vers nous, hein. Ils vont nous casser les couilles. Hein. Ouais, ils arrivent. Ils arrivent pas en plein face, quoi. Ils arrivent en tournant un peu sur le côté. Alors, je sais pas trop ce qu'ils veulent. Peut-être pas se faire choper par les tourelles.
mais il se rapproche, quoi. Et le truc, c'est que nous, on est en... Il se rapproche dans notre cul, quoi, donc je peux même pas leur tirer dessus ou quoi. Mais attends, y a l'encre relevée ou pas? Je sais pas, là, d'ici, je peux pas te dire. Tu veux que je la relève et que je me casse? Non, mais si elle est relevée, tu tournes à fond, ça va te mettre à 90 degrés par rapport à eux, tu peux leur tirer dessus. C'est vrai. Ouais, elle est relevée. Ah bah alors ouais, mais donc tu peux tourner sur place en fait, quand elle est relevée. Attends, j'ai juste des squelettes là. Putain, fait chier parce que j'ai fait la deuxième vague, elle est... Merde, j'ai trop tourné là. Elle est quasiment pliée. Mais non. Ouais, bah écoute, j'ai tourné. Je vais charger les canons. Mais ça s'annonce... Ah mais t'es là? Ouais. Par contre je suis pas très bon en tir de canon quoi. Baril de poudre, putain y'en a un là. Ouais y'en a un là. Je sais pas trop où est-ce que j'ai tiré là. Pas au bon endroit. Faut que tu vises vers le bas en fait. Ah ouais pas trop mal ouais. Ok, ils font complètement de la merde. Ouais, ils sont pas top. Mais là, ils ont essayé de tirer sur nous, là, on est d'accord. Oui, je crois qu'ils essayent, ouais. Ils sont très très mauvais. Bon, moi aussi, je suis très mauvais, mais... Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'étais pas loin? Il était beau, celui-là! J'ai pas fait exprès. J'ai tiré complètement au pif, hein. Ils sont très loin, donc... Ouais. Bah là on a plus d'angle. Faudrait bouger le bateau et on s'en bat les couilles. En fait ils sont mauvais parce qu'à chaque fois qu'ils essayent d'arriver, forcément les tourelles leur tirent dessus et ils se barrent. Au lieu de nous foncer dessus et de faire avec. Mais là ils vont se prendre un rocher. Ah non ils sont devant. Je sais pas ce qu'ils font là. Là ils foncent en plein sur nous en fait. Ah ouais? Ouais. Enfin ils reviennent ouais. Ils engagent un demi. Putain, c'est super marrant parce que j'ai l'impression qu'en fait les vagues chez nous sont pas les mêmes que chez eux. Je nous tourne un peu. Pour avoir plus d'angle d'attaque. Selon leur position. Ouais, non, ils sont encore calés à l'extérieur. Bon, tu les surveilles hein, pour l'instant, je vais finir la vague. Vas-y. En fait, le truc, j'ai l'impression que c'est tout con, hein. Ils se prennent des trucs à la con, et ensuite ils vont réparer dans un coin, et ils ont l'impression que ça va être une bonne stratégie. Sauf que, en fait, ils nous font zéro dégâts, donc... Mais j'ai surtout l'impression, ils savent pas trop ce qu'ils font, quoi. Ouais. Je vais monter sur la vigie, voir un peu plus haut. Ah là, le problème c'est que cette vague là, ils sont beaucoup avec des pistolets. Je regarde s'il y a d'autres gens qui arrivent. On sait jamais. Ah ouais, ils sont beaucoup avec des pistolets. Ah putain, ah ouais, non mais là tout seul. Alors attends, si je les attire sur un baril de poudre. Oh putain. Il y a un galion et un sloop. Je sais pas, je vois 4 mâts. Pas loin de nous? Pas loin de nous, mais avec les trucs relevés. Attends, je suis paumé là. Ils étaient où nos connards de tout à l'heure? Ah, ils sont là, eux, ils ont pas bougé. Si on a un galion qui cherche la merde en plus, on est mal barré. Ah, si, j'ai l'impression qu'ils reviennent, les connards. Par contre, il y a. Non, j'ai l'impression qu'ils sont posés sur une île. Enfin, ils sont à côté d'une île. Merde, je les trouve plus. Attends. Ça va être le bordel, hein. Ouais, ok. Soup, je le vois. Le galion, il est derrière l'île en fait. Tu vois notre bateau, tu vois l'île, et ben en fait tu pourras jamais le voir parce qu'il est derrière l'île, il faut monter sur la vigie pour le voir. Et je vois un galion, et je voyais un quatrième mât, donc je me disais que c'était un sloop à côté. Mais je le vois pas. Ah, mais derrière l'île, derrière le fort en fait, tu veux ouais, dire. Ouais, derrière le fort, ouais. D'accord, ok. Parce que le sloop, ils sont toujours plantés là-bas, je pense qu'ils sont. Ils ont jeté l'ancre, ils ont même pas relevé la voile. Ouais, non, ils sont... Et par contre, le galion, il est derrière... Ah, mais t'avais raison, il y a un autre fort là-bas.
j'ai juste deux trous dans le ciel. Ah, c'est bizarre. Parce qu'il y a un galion posé à côté d'une île avec les mâles, enfin les trucs relevés, les voiles relevées. Ah oui, je le vois, exact. Exact, exact, exact. Et pourquoi il vient pas nous aider à faire le fort, lui? Nous aider ou nous buter? Bah, disons qu'il le fait jusqu'au bout, après on les tue et on récupère le butin. Par contre, les autres là, ils bougent toujours pas, ils sont comme des cons. Non, non, mais eux, ils sont débiles. Comment t'arrives à les voir, toi, le... Bah, en fait, depuis la proue, on les voit. On est en plein dessus. Ah, t'es sur la proue? Ouais. Ah ouais. Ah oui. Et ouais, mais en fait, bah là... On les voit depuis la proue? Ouais, mais... tu vois là où je suis? L'avant ouais, du bateau. C'est impossible que tu les vois parce que je regarde pas dans cette direction. Enfin, je regarde pas vers l'avant du bateau, moi. Non mais je suis sur l'avant du bateau et là où je regarde, c'est là où il y a le 3-mâts. Tu regardes où? Ouais, oui, effectivement, oui, t'as raison. Ouais, je les vois là, ils sont, oui, ils ont toutes les voiles relevées, ils sont calés à l'île. Ouais, c'est ça, ouais. Juste à côté. Mais pareil, ils sont calés, genre, oui, on attend peut-être qu'ils fassent le fort. Tu penses? En fait, j'ai l'impression que tout le monde attend qu'on fasse le fort, quoi. Par contre, le soupe a disparu, là. Ah ouais? Je regardais plus, du coup. Eh ben, moi non plus, et en fait, il est plus là où il était. Ah, oh, putain, il est juste à côté de nous, en fait, d'accord. Il est où? Ah, il vient ouais. Peu après. Ouais, ouais. Et il tente encore une approche. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne. On retourne pour être canon face à lui. Là, on peut pas trop en fait. Bah, ouais, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'ils viennent vraiment nous menacer. Je sais pas. Mais en même temps, il y a tellement de mobs avec des flingues sur l'île qu'on pourra pas le faire, quoi, je pense. Tu penses? C'est impossible? Bah, franchement, tout seul, c'est chaud. Enfin. Bah, je peux tenter de t'aider, mais on va se faire niquer le bateau, quoi. Et petit ouais, c'est voilà, pas très efficace, quoi. Il faut obligatoirement un mec qui reste sur le bateau, parce que là... T'as vu tout le monde? Ouais, merde. C'est moi, ça. C'était un fail. Non, c'est une intimidation, on dit. Ouais, ouais. Bah, tu vois, enfin, franchement... Bah, ça se trouve, ils vont juste à l'épave, je vois qu'il y a des... Ouais, ouais, il y a une épave. Parce que là, ils vont carrément dessus. Ouais, mais ils ont pas l'air partis pour s'arrêter. Peut-être qu'ils vont se cracher dans le rocher à côté. Hein. Ah non. Ah, il y en a un autre. Putain, il y en a un autre. Où ça? Un deuxième sloop. Ah oui. En sud-ouest. Celui... Parce que moi, je vois un gros truc. Donc, c'est pas un galion par hasard? Sud-ouest, on parle d'où? Sud-ouest, c'est un peu à droite du galion. Un deuxième sloop qui rôde. À droite du galion? Parce que moi, j'en ai vu un à gauche. Bah regarde sur ta boussole, ils sont vraiment en sud-ouest, ouais, là. Sud-sud-ouest. Là, ils viennent de passer derrière un caillou. Attends. Hop, ça y est, ressort du caillou. Je vais regarder sud-ouest. Tu les vois? Ah, j'ai vu la lumière, ils sont derrière un caillou, ouais. Ils repassent derrière un caillou, là? Ouais, ouais. Ouais, je les vois, ouais. Mais alors le galion il est où? Parce que j'ai vu autre chose à côté du galion. Bah le galion il est un peu ouais, sur la non, gauche. Non, regarde à gauche du galion. Tu prends le galion, tu tournes de genre de 20 degrés à gauche. Ah oui, il y a un autre galion qui arrive. Il y a un autre galion qui arrive. Ok, alors, attends. C'est ce qu'on va faire? C'est ça que je te disais à gauche du galion. Ah ouais, exact. Ouais, non mais ok. Bah en fait on est juste... On est cerné. Ah, et le sloop, il a relevé ses voiles et il s'est foutu dans un coin. Ouais, bah ça m'étonne pas. Et il est en train d'éteindre ses lampes, je crois. Franchement, là, c'est une situation de ouf. T'es en train de te barrer, hein. Ouais. T'inquiète. Du coup, il nous tire dessus. Ouais, mais ils vont pas nous toucher, là. Parce qu'on est gentil, on s'en va. Si nous touche, tu me dis que je descende. Ouais, non, mais t'inquiète. Surveille un peu tout le monde, toi. Bah, c'est ce que j'essaye de faire. Avec les vagues, c'est plus compliqué que quand on est. Ouais. Bouger, mais... Alors, le sloop, ouais, il a l'air de venir vaguement vers nous. Le galion, c'est de droite ou de gauche?
Bah je sais plus. Celui celui qui vient vers nous. Ben, genre ils nous ont touché d'ici quoi. Là je vois plus personne, y'a trop de brouillard. Mais c'est en déconner, ils nous touchent d'ici les mecs. Eh putain mais vous avez tous été en volant ou quoi? Ah non, y'en a un là-bas qui se casse. Enfin je crois. Là je vois un rocher. Ouais ouais. En fait j'essaie de nous mettre à l'abri. Je vois personne d'immédiat, mais là on bouge trop pour que je comprenne dans quel sens on va. J'aimerais juste que le bateau se stabilise, que j'arrête de vomir. Alors en fait le rocher me bouge quand même pas mal de vue donc Ouais ouais parce que je me suis mis pile derrière en fait. Attends par contre là je vais essayer de réparer les trous. Parce que là on a trois trous dans la coque en fait. Ah d'accord. C'est pour ça qu'on tangue un peu. Tu veux de l'aide ou... Non c'est bon, c'est bon. Oh Jésus qui pique. Je pense que je manque de sommeil en ce moment. C'est pas normal d'avoir les yeux qui piquent 24-24. T'arrives au boulot le matin et à 10h t'as les yeux qui piquent. Non, c'est pas normal. Théorie, non. Bon, je suis en vacances demain soir. Ah bah ça va, en plus t'étais en week-end le week-end dernier, ça va, ça va. Ça va. Il faut se faire plaisir dans la vie, le petit plaisir semaine. Exactement, exactement. Bon, alors ouais, en fait, je vous ai foutu à l'abri. Il y a un bateau derrière les rochers de l'île qui est en sud-ouest. Sud-sud-ouest. Non, c'est un palmier, non? Je sais pas si c'est un palmier ou un bateau parce qu'on bouge trop pour que j'arrive à voir. Non, non, c'est pas un bateau. Par contre, ils sont. Tous ceux qu'on avait repérés là. Bah, je le vois plus. Alors, je vois le 3-mâts. Ah oui, il est loin. Il est loin. Ouais, ouais, il s'est barré du coup. Et après, en fait, en sud-est quoi. Sud-est. Par contre, les deux sloops et l'autre 3-mâts, je sais pas. Chier. Putain, il nous casse les couilles, hein. Putain mais j'arrive vraiment à rien voir, on bouge beaucoup trop. On a la malle on a la malle. La... Non on n'a pas la voile. Elle est baissée la voile non. Ou elle est montée? Non elle est montée. Elle est levée là. Ouais, je vais essayer de nous faire faire le tour du caillou tranquillou. Ouais mais là ça devient chiant là, on est obligé d'être trop prudent, mais de machin. Sinon, on s'en fout, soit on y va comme des bourrins, soit Ah mais il y a un deuxième fort hein. Regarde, il y a celui où on est là et il y en a un autre juste en face de nous. Enfin juste en face de nous. Là on bouge donc ça marche plus mais... Non mais genre ils nous tirent dessus de là sans déconner. C'est pas possible, ils ont changé un truc là parce que là On est pas si loin hein, tu veux que je descende t'aider? Non mais là c'est l'assassinat de François Ferdinand là. De François Ferdinand? Ok j'ai pas de planche. Non mais là c'est ouf. On est sorti d'un millimètre derrière le rocher, il nous attaque. Écoute, il nous surveille. J'essaie de nous faire partir hein. J'essaye de réparer, écoute, mais sauf qu'on se prend des coups pile quand je répare. Hein. Hop, j'en ai réparé un. Oh putain, je me suis fait éjecter du bateau par un putain de boulet. J'arrive. Compliqué. Ouais, ça va, j'avais pas les voiles, c'est bon. Oh putain. Oh vas-y, on va se barrer là, fais chier. Bon, bah en fait, on n'aura pas fait une quête. Bon, eh, je te propose qu'on aille à l'épave. Qui est juste là. Hop.
On se fait l'épave, on va ramener l'épave, et puis ça ira très bien. Ouais. Faudrait, c'est trop monde autour là. Faut qu'on se trouve deux compagnons de route. Et qu'on sorte un galion. Ouais, franchement, ouais, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, on peut aller faire du PUBG aussi. On se démerde du PUBG je trouve, hein. Ou du For the King. For the King. Ah oui, c'est le truc dont tu m'avais parlé. Ouais, ouais, ouais. Elle est où l'épave ? Ah, elle est là. Qui est pas mal, qui est stratégique, c'est mi jeu de plateau, mi FF7, enfin c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Fortnite, je crois, ou je sais plus quel jeu un peu de tendance là, comme ça, est devenu 100% free-to-play. Enfin, free-to-play, freemium quoi, et tu dois avoir des trucs que tu peux payer, j'imagine. Mais... Oui, bah parce que Fortnite, oui, mais ça fait un moment. C'était pas Fortnite, c'était un autre truc. Fortnite, c'est un petit peu du PUBG arcade. Ouais, il paraît que c'est pas si arcade que ça. Je vais crever comme une merde, hein. Je suis dans l'épave. Y'a rien pour respirer. Moi, j'ai trouvé un coffre. Je suis content. Moi, j'ai pas trouvé de coffre. Et je suis en train de crever. Ouais, si, si, Fortnite, c'est carrément arcade. Hein. C'est carrément. T'es pas, enfin, tu vois, autant PUBG c'est de la semi-simulation à peu près réalistique, Fortnite ça n'a rien à voir. Bon, écoute, moi j'ai trouvé une banane dans l'épave, mais je la mange parce que je suis à moitié mort sous l'épave. Donc je remonte. D'accord. Et j'arrête de chercher parce qu'elle me saoule. Cela dit, une banane, c'est pas mal, hein. Écoute, fais comme toi. Je vais regarder si on a des nouvelles des sloops. Oui, le galion est au fort, il attendait qu'on se casse. Mais voilà, mais c'est ça. Putain, ça donne envie de les faire chier, quoi. On peut y aller, si tu veux, t'as rien là-dessus. On a des trucs à ramener, de toute façon, à part le coffre que tu viens de trouver. Bah écoute, je refais un tour vite fait. Il est bien, le coffre que t'as trouvé ? Non, c'est de la merde. On peut aller def le galion. This is a shit. Non, c'est un autre truc qui est passé free to play. Qui c'est qui est passé free to play? Je vais chercher. Devient free to play. Dans les news. Oh la recherche. Bah tu mets devient free to play. Oui, t'as à peu près 15 000 jeux qui remontent. Non, c'est tu mets Darwin Project. Le fameux jeu où tu peux interagir sur Twitch et que les gens de tes viewers votent sur... ils t'aident ou pas, c'est ça? Ouais, est-ce que t'envoies un malus ou un bonus à telle personne, ce genre de truc. Ah ouais, ils sont vraiment au fort, les mecs. Ouais, on va les def. Mais c'est des petites prostituées, quoi. Ils ont attendu, sans déconner. Bien sûr qu'on va les défoncer. Non mais les mecs, ils nous ont regardé depuis tout à l'heure. Franchement, on est resté quoi, une demi-heure à faire les cons, hein, à essayer d'arriver ou quoi. Les mecs sont restés là, juste... Allez, ouais. Soyons fous. On va leur mettre un coup de tromblon dans la gueule. J'ai ramené les munitions de mon tromblon. Tu attends, ah, Kenine, je t'ai dit que je t'aimerais plus tard. L'amour, c'est après, canaille. Bon, on tente le galion, les pieds, et puis bah moi, si ça marche pas, Quand je dis on se crache dessus, on s'en bat les couilles. Ouais, on les éperonne. Ouais. Allez. Je vais en bas réparer les fuites qu'on va avoir. Ah bah non, non, si on éperonne, on répare pas les fuites. De toute façon, tu sais quoi? On a plus de planche. Quoique, ouais, ok, j'ai oublié qu'on se faisait bombarder par l'île. Alors par contre, on a une planche, donc là, je vais réparer une fuite. Et après, il nous reste une planche. Ah, je viens de prendre un boulet en plein à la gueule, disons. Je suis mort. Cool. Donc, garde la barre, vas-y. Garde la barre, et peut ramener, droit devant, droit devant. Ah oui, mais sauf que droit devant, en fait, ils sont pas du tout devant. Ils sont derrière l'île. Donc je vais faire un petit détour. Mais non. Si, si.
Ah putain. Ah, il me def. Il nous a vu arriver, il est monté sur le bateau et il m'a mis des coups d'épée dans le dos. Par contre, le bateau n'est pas encore coulé. Donc tu vas repoper dessus. Je suis en train de repop là. T'es mort toi ? Ouais. Ouais, il m'a mis des coups d'épée dans le dos. Je comprenais pas pourquoi. Je me suis pris un boulet de canon, c'est pour ça qu'il m'a sorti de la barre. Et non, il y avait un gars qui ah mais attends, en fait, notre bateau n'avance plus du tout. Ah oui, non mais ok, d'accord. Non mais les mecs sont sur notre bateau là. Oui. C'est ce que je te disais. Ah, ouais, quand il m'a mis des coups d'épée dans le dos, j'étais sur le bateau. Ah, il a un. Ah, et je les entends parler. Et peut-être qu'ils m'entendent parler aussi. Ouais, non mais c'est mort là. À mon avis, on repop, on a plus de bateau. Ouais, mais j'en aurais tué hein. Et oui, on a plus de bateau, je te le confirme, il est coulé. Oh putain, qu'on est nul. Par contre. Ah, je vois le fight sur Twitch. Ah putain, mais tu l'as défoncé. Ah putain. Il m'a def. Il y en a un qui m'a def parce qu'en fait, il y en avait un, deux, dans la tour. Ah oui, il tirait. Ah, les bâtards. Salut, oh, mais t'as eu au canon. T'as eu au canon, le mec. Eh, vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Putain, je sais jamais comment activer cette putain de voix dans le jeu. Bah, normalement, c'est T. Non, la voix. Oh là, oh là, oh là. Ah non, c'est pas T. Non, j'ai des conneries. La voix. Touche d'activation du micro left alt. Bah, ça devrait marcher du coup. Mais ils m'ont pas du tout entendu. Je suis en train de parler avec eux en étant mort. Bah, sauf qu'on peut pas. Enfin, là, on est mort. Le bateau, il est plus là. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais. Bon, bah, écoute. On est nul. Oh putain, j'ai une taverne et tout. Bah, chier. Tu veux qu'on fasse un PUBG vite fait? On peut se faire un petit PUBG, ouais. Pour se consoler. Mais on en fait qu'une. Est-ce que j'ai le temps de fumer une clope ou pas? Oui, vas-y, le temps de lancer le jeu. Parce que Sea of Thieves, on est vraiment mauvais. Ouais, mais c'est marrant quand même. Mais on est mauvais. Mais ça... Ouais, mais c'est rigolo, ouais. Bon, je lance PUBG du coup. Ouais, vas-y. Allons-y. Lancer PUBG. De toute façon, est-ce qu'il y a encore des gens qui regardent là? Bah, 4. 4? Eh ouais, 4. Mais il y a toi aussi dedans. Ah, c'est c'est pas faux. Donc 3. C'est vrai. Donc 3. Alors attends, Aldra et Lonal. C'était fort tendu. Oh. Oh, c'était beau. Il n'y a pas l'heure sur le chat, donc je sais pas s'il était là il y a longtemps. Non, c'était à 22h30. Mais je pense qu'il est toujours là. Je remets mon poulet à la con. Comme tu peux putain, le voir, mais qu'est-ce que c'est avec ton charme halal? Monsieur, bah, ça me fait rire. Ça me fait rire de mettre ça pour PUBG parce que chicken dinner. Chicken dinner. Bon, je vais fumer une clope hein, et puis on se fait un petit PUBG où ce coup-ci on arrive à faire des trucs. Ok? Allez. Oui, Aldra, on parle de toi. Il est toujours là. Ah oui, on parle de moi. Et pendant ce temps, regarde For the King. Je regarde. Sur Steam, voir si ça te plaît comme style de jeu et tout. Ça peut être sympa c'est gratuit. À jouer aussi en coopération. Non, il était en promo à 15 balles et il doit coûter 20 balles là maintenant, je pense. Bon, mais comme sinon, ça. Il se lance PUBG ou c'est pour rire quand tu cliques sur le bouton Ah, mais c'est parce que c'est ton ordinateur qui est. Non, il y a bon, allez, je reviens, à de suite. À de suite. For the King. Bon, il la trouve la fenêtre de PUBG ou. Je l'ai vu, il est là. Là, boum. Allez, PUBG. Allez. Allez. Hey. Pardon. Chrome. Ça, c'est For the King. C'est un jeu pour les enfants.
Coucou tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter For the King, qui est un jeu d'aventure RPG avec des éléments de roguelike. Il s'appelle Danfield. Ah bah c'est Danfield. C'est un gars qui est connu pour présenter des trucs de... Le jeu est d'ailleurs vraiment difficile, gestion. Donc vous allez mourir. Il va y avoir des plus, ça va être le début. Et on peut jouer à plusieurs. On est dedans. J'espère qu'on va se... For the King. Coopération locale ou en ligne? Ah, c'est rigolo, c'est pas moche. C'est pas moche. Je vous montrer ça. Si je fais ça là, comme ça. Non, j'ai pas Chrome là-dessus. Boum. Capture de fenêtre. Pas celle-ci. Chrome. Non, ça marche toujours pas ça. Bah, on va capturer Steam sinon. Capture de fenêtre. Je vais dans Steam. Qu'est-ce qu'il dit? Une erreur est survenue. C'est toi l'erreur. Arrête de survenir. For the King. Steam. C'est ça, For the King. Il se calme, ce chien. Je reviens dans 2 minutes. Il est pas revenu. Tu veux un casque? Je sais pas, les gens parlent. Bah, il y a Sylvain qui parle. S'il est pas revenu. Alors là, on me voit pas. Là, on me voit pas. Là, on me voit. Là, on me voit. On me voit pas. Toi, on ne voit pas. Je te mets ça si tu veux parler. Avec ta voix. Je parle en plus. Bah, si t'as envie. Là. Là. La bite. Elle est pas là. T'as vu, c'est toi ça. Je te croque. Bon, d'accord. Même pas trop de piquer un bout de pizza quoi.
Bon, il vient là. Est-ce que tu fais juste parce que ça te fait rire le bras qui rentre? Non, je vois pas, j'ai le micro. Hein? Là, ça me fait rire. Le gars, il dit, il fume une clope et en fait, il revient pas. Mais tu te dépêches! Re, désolé. Allez! Allez, c'est bon, c'est parti. Bon, moi aussi, j'étais parti et tout. Qui fait rentrer en train Aldra. Aldra est toujours là. C'est un pote à toi ou c'est. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà joué à Evenline, que j'ai. Peut-être croisé une fois en vrai, ouais. À une époque où j'ai essayé de jouer à Evenline. J'ai réessayé il y a pas longtemps d'ailleurs. Il faut trop de temps pour ce jeu. Ben en fait voilà c'est ça, moi j'avais essayé une fois. Alors je m'étais fait poutrer dès le début et c'est Cyril qui jouait beaucoup. Ouais. Et qui me disait c'est pas possible que tu sois mort au tutoriel. Et en fait si. Ben normalement au tutoriel c'est vrai que c'est compliqué de mourir. Ben en fait je sais pas, j'avais la police qui m'avait attaqué et tout là, j'avais pas compris. Ah mais c'est parce que t'avais dû essayer de buter un autre joueur. Et là c'est... Quand t'essayes de buter un vrai autre joueur dans les endroits sécurisés... Et ben du coup la police se TP sur toi et te one shot. Parce que c'est un endroit sécurisé. Effectivement Aldra, on a partagé un resto une fois avec Phil, je m'en souviens. Il me semblait bien qu'on s'était déjà croisé en vrai une fois. Tiens regarde, on voit un peu ton bras. Et putain, il y a une mise à jour bit. Pourtant, je les ai fait cet après-midi. Ah bon? Moi, il m'a rien demandé. Par contre, j'ai une nouvelle intéressante pour toi. Il y a Anders qui est en ligne. Ah, mais moi, je l'ai bloqué, Anders. je sais pas, mais. Il y a Alf qui est en ligne aussi. Sur Twitch? Sur PUBG? Bah, sur Steam, ouais. Ah, tu lui parles toujours, Alf? Oui, bah, je lui ai parlé il y a quelques jours. Hein. On lui dit de venir. Ah, si, envoie-lui un truc, ouais. Vas-y, dis-lui. Ah, attends, où est affiché tous les amis? Je vais dire yo, on se fait un PUBG en live sur Twitch avec Syllab. Tu viens? Et il va répondre non, j'ai une famille. Non, attends, en ce moment il est tout le temps sur Rocket League, sur machin. Je l'ai vu sur Rocket League, ouais, se connecter. Alf, c'est celui qui mange les chats? Non, c'est pas ce Alf là. Tu l'entends, Kish, quand elle parle ou elle est. Ah, c'est bien ce qui me semblait, j'ai entendu Pauline parler là. Ouais. Je suis rentré d'entraînement et j'en ai gros. Et voilà, elle était. Ouais, voilà, ça y est. Bon, madame est rentrée d'entraînement, madame fout le bordel. Ça oui. Elle vient faire des bruits de bouche au micro. Ouais. Avec la pizza. Ouais, la pizza et bière. Je peux lui envoyer un. Attends, j'ai le chat. Il y a plein de façons de déclencher la police. Oui, mais alors moi, je pensais être dans un tutoriel, donc voilà. Mais effectivement, j'ai pris la police et en fait, à Evil Online, ouais, après du coup, j'ai rejoué. Ouais. Et, de ce que j'avais compris, pour passer des niveaux, enfin, pour travailler tes skills et tout, en fait, c'était le temps. Genre, tu lançais un truc et puis ça mettait. Je sais pas, 2-3 jours à monter ton skill. Ouais, bah donc oui, en fait, ouais, c'est. Il a dit. Alf a répondu, il a dit je viens de Tchèque et il est en mage. Ah, PUBG, ouais, mais. De toute façon, je vais pas tarder à me coucher. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, fait 1 giga la mage, il me reste 3 minutes là. J'ai vraiment une connexion de port, je sais pas comment je fais. Ah ouais? Bah j'ai pas la fibre moi en fait. Et je sais pas, j'ai une connexion de port. Par contre depuis tout à l'heure sur ton live, je te vois en train de charger sur PUBG. Ouais, enfin je suis sur l'écran d'intro. Hein. Je t'ai pas invité d'ailleurs à jouer en fait, c'est con. Ouais mais je te vois avec le ah, loader merde, et tout. Tu me vois avec le loader? Ouais. Ah, parce que j'ai du retard, je pense. C'est celle de 13 gigas, il dit. Putain, mais il a pas lancé le jeu depuis quand? Ouf. Bah, pourtant, c'est mise à jour automatique, s'il les a laissés. Ouais, peut-être qu'il les a oui, le temps réel, j'avais skillé pendant bien 3 ans perso. Ouais, c'est ça, Aldra. En fait,
C'est bizarre en fait, même quand t'es déconnecté, ça continue, mais je trouve ça bizarre un jeu où en fait c'est le temps, tu vois. Ouais, mais c'est pas que le temps, parce qu'au final, une fois que tu les as fait, les trucs, enfin après, t'as plein de trucs à faire. C'est au début où en fait il faut faire toute une série de trucs pour pouvoir conduire les vaisseaux de base, enfin en gros, de un peu plus avancé quoi. Pas les premiers vaisseaux du tuto, et après une fois que t'as fait ça, c'est vraiment des trucs très spécialisés et très spécifiques, et donc du coup au final tu les fais pas tant que ça, enfin tu les fais mais en fait ils tournent en tâche de fond et toi tu fais un milliard de choses en attendant, enfin tu joues déjà en fait, t'as pas besoin d'attendre. Ouais, tu joues, ça se fait tout seul. Ouais, bah ouais, mais je trouve ça bizarre, bouge la main tu vois, ouais, genre au bout les trucs comme ça, ou à l'époque t'allais farmer tes items, tes instances, tes trucs, c'était sympa. Après, j'ai un peu mal avec ça, de me dire, bon, bah, tu te déconnectes, ça continue, et puis finalement, tu te connectes juste pour voir où c'est que ça en est, et puis... Ouais, mais après, après, t'es censé faire plein de trucs. Mais du coup, t'as dû te faire tuer dans le tuto, parce qu'en fait, dans la zone de tuto, c'est des zones high-sec, haute sécurité, où il y a la police, et si tu fais... de la merde, et bah tu, en fait ils se TP sur toi et ils te one shot. Mais c'est pour éviter les connards fassent de la merde sur les débutants. Et encore, ils ont quand même des moyens, parce que souvent t'as des groupes de connards. T'en as un qui one shot le noob qui transporte un truc cool quoi par exemple. Et du coup il le one shot, la police arrive, elle le one shot, mais t'as ses potes qui récupèrent le loot. Ouais, ok, d'accord. Bah tu vois, t'as plein de trucs à la con comme ça. Ouais, mais du coup, il dit, ouais, il y a du farm aussi sur Eve. Ouais, ouais, je sais, j'avais vu, ouais, il y a illuminé, enfin, tu peux faire des trucs pas mal. Pour les items de pognon et autres, il y a du farm aussi. Ouais, je me doute qu'il y a du farm, sinon ça serait pas non plus trop intéressant, mais... Mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un jeu pour les hardcore gamers, faut... S'investir à ouais, fond. Bah, j'ai l'impression que tu fais quasiment que ça quand tu joues quoi. Enfin, moi j'ai pas réussi à trouver le temps de jouer à ça et d'autres trucs. Et j'ai pas la patience finalement de jouer à ça. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire et du coup en fait limite je me fais chier quoi. Ouais, si t'es pas dans une méga guild et tout. Bon, ça y est, je suis là. Oh putain, ils ont refait toute l'interface. Oh là. Ah, il y a le sélecteur de map. Ah oui, j'avais pas vu. Ouais. On peut faire Rangel. Bah du coup, Aldra, là, il a pas PUBG. Je pense pas, mais si tu l'as, Aldra, n'hésite pas à nous rejoindre. Mais à nous rejoindre très vite. T'as 2 minutes. Je te vois pas online du tout pour l'instant. Hein. Ah, pourtant je suis là. Alors attends, peut-être qu'il faut... Moi je te vois online par contre. Bah invite-moi. Hop. Alors. Ah bah c'est bon, je te voyais online justement. Du coup on prend quelle map? Bah du coup c'est moi qui décide apparemment, donc ça sera Erangel. Ah tu vas pas prendre la Coming Soon? Putain la Coming Soon. T'es sûr que t'as sélectionné Erangel? Parce que moi je vois Miramar de sélectionner. Ah voilà. Ah mais en fait ça rame au taquet, d'accord. Là, on est d'accord, on est sur Erangel. Ouais. Du coup, tu prends la Coming Soon ou pas? C'est de la merde PUBG. Putain, Aldra, sans déconner. Oh. C'est pas vraiment tout à fait du caca. Bon, on démarre? Tu veux vu une troisième personne? Ouais. Tu sais, moi, je connais les FPS. Hein. Je sais pas ce que c'est. Dans la vie, je vois que la troisième personne aussi. C'est pour ça que j'ai un problème avec mon début de calvitie. C'est ça, voilà. C'est juste un jeu à buzz. Oui, bah c'est vrai qu'il avait, il a fait le buzz et tout, mais bon, c'est quand même. Mais c'est pas un jeu à buzz. Premier des Battle jeu Royale, qui a vraiment. Des Battle Royale, il y en avait plein Battle avant. Royale. Bah non, enfin, il y en avait plein avant, il y avait plein de modes avant, et c'est le premier jeu à l'avoir fait, à centrer tout le jeu, 100% du jeu dessus, quoi.
100% Battle Royale et qui était en gros, bien fait. C'est un gars qui faisait des modes de Battle Royale sur plein de jeux populaires et qui a dit bah on va faire, je vais faire mon propre jeu avec que de la Battle Royale parce que j'aime que ça. Ouais, je crois que c'était sur DayZ. Rust peut-être. Non, Rust c'était peut-être pas lui qui le faisait. Arma. Mais DayZ, je crois que c'était un truc de Arma de toute façon. DayZ, ouais, c'était un mode d'Arma et lui il a dit il faut vraiment faire un jeu Battle Royale et bah il a, on va il a où bien fait du coup parce que, il a lancé la mode. Enfin, t'as vu maintenant tous les Battle Royale qui sortent? Ouais. C'est juste ouf. Il y a maintenant, il y a plus que ça quoi. On va où maintenant? Enfin là. J'avais vu traîner sur un site un mec qui avait sorti un bingo pour le prochain E3. Pour sortir, quel jeu va sortir un Battle Royale, mais le mec il avait craqué, il avait même mis Pac-Man Battle Royale, Pokémon Battle Royale. On sort. Ah oui, mais tout va être Battle Royale maintenant. Bah, écoute, on va là. À Pochinki ? Ouais, on va faire du fight un peu. Pochinki, c'est parti. Tu me dis quand on saute parce que je ne connais pas bien. Ouais, vas-y, go. J'ai sauté là ? Oui, j'ai sauté. Parce que j'étais pas sûr, j'étais sur la carte et je me voyais pas descendre de l'avion. En fait, c'est juste que j'avais une trajectoire qui était équivalente à celle de l'avion et que l'avion m'avait pas encore dépassé. Ah d'accord, t'étais en pleine ambivalence. Exactement. Je comprends. On va dans le pâté de maison du milieu. Ouais, ok. Bah, de toute façon, tu me suis, t'es derrière. Ok, nickel. Celui-là avec les 6, 7 maisons, 8, 7 et demi. Ouais, ouais. C'est où je suis en fait. Et on va sur le toit orange du milieu là. Ok, mais faut que je tourne. Bah là où je suis. T'es là, pas trop de monde, c'est cool. J'ai pas trop regardé. Ouais, merde. Par contre, faut looter. J'étais plus du tout au bon endroit. J'ai vu que j'étais en train de regarder autour. Comme un connard. Ok, d'accord. Je vois personne, du coup, tant mieux. Il y a un peu de monde autour de nous, mais ça va. Un viseur point rouge, ça c'est top, alors que j'ai pas d'arme. Ah, une trousse de bandage. Un casque de moto. Ah, une lunette 6 fois. C'est okay. Oh, joli. Ah, oui. C'est un nouvel item, ça. Ouais, bah, je savais pas que ça existait. Mais j'ai toujours pas d'arme. J'ai des chargeurs, des trucs et tout, mais j'ai pas d'armes. Y'a une AK si tu veux, là où je suis. J'ai un S mes couilles. Bon, alors écoute, je vais essayer de te rejoindre. C'est quoi qu'il me faut comme arme, ça? Calibre 12? Ok, d'accord. Je sais pas quoi prendre. Je sais pas. Il faut quand même que je prenne des... Ah non, en fait... Il faut essayer de looter super vite. Ouais, ben bah, je fais comme je peux. Hein. Le problème c'est que j'ai pas de sac à dos, donc là je me suis retrouvé plein avec de la merde. Enfin avec de la merde, avec des trucs cool, mais. Oh putain, il y a un mec à côté de moi là. Non, c'est moi. C'est toi ? Qui est sauté sur le balcon, c'est moi. C'est moi. Putain. T'as vu, j'étais en position. Ouais, j'ai vu ça. En position pour te chier dessus. L'UMP9, j'ai pris. Ouais, ça c'est bien ça. Mets-le en auto. Attends, je vais même fixer la... Je le mets en auto, l'UMP9. Ouais. C'est N, non? Pas du tout. C'est B. Le... Non, c'est B. Ouais, c'est B, c'est ce que je viens de dire. Le mec répète ce que je dis, quoi. Ah ouais, pardon, excuse-moi. t'es allé en face? Viens, ouais, on va y aller. C'est moi qui ai fait un saut de balcon tout à l'heure, que ça t'a fait peur, mais... Attention, c'est moi. Je vois personne. Je vois une Scarl et un sac à dos. Ah, mais Scarl, c'est très bien, ça. Bah, j'ai pris, du coup. C'est moi, hein. Tu rejoins. Attends, parce que j'aimerais tiens, bien... Tiens, t'as un casque niveau 2 ici. Avoir les deux, la Scarl et l'autre.
Avec l'UMP9 ouais. Très bien. Comme ça. La Scarl tu prends de loin, l'UMP9 tu prends de près. Ah ouais, ok. J'aurais pas dit ça, j'aurais dit... j'en sais rien. Et j'aurais dit, c'est quoi que je fais. Tiens, prends le casque niveau 2 là. Oh, une arbalète. Et une trousse de bandage. Ah, la fameuse. Et un M16 ici, si tu veux. Bon, oh, c'est bon. Prends le casque niveau 2 là. J'ai pris. J'ai pris, et donc ça c'est... Ça on est sur du... Alors après, si tu peux trouver un pantalon aussi. La Scarl de loin, tu m'as dit. Hein. Ouais. Si je peux trouver un pantalon, tu penses que c'est important? Bah, je pense que t'es un peu torse nu en calbut, donc... Est-ce que tu penses... Tiens, là, t'as un gilet niveau 2. Est-ce que tu penses que c'est important stratégiquement, ou c'est important pour le swag et le style vestimentaire? C'est important pour le swag stratégique. Tu veux dire qu'on te voit pas de loin, quoi? Ouais, exactement. J'aurais su, j'aurais mis un pantalon directement dans le menu, quoi. C'est vrai aussi. Je vous l'apporte. C'est le facteur. Hop là. C'est ici, c'est ici. C'est juste là à droite. Ils sont juste en face en fait. Ah ouais, il y a des gens. Bah, ils tiraient de là-bas. J'ai pas entendu donc, tirer c'est moi. C'est pas possible. Attends, C'est toi qui as tiré? J'ai pas tiré. J'ai ouvert une porte. Ouais. Ah non, là ça tire, oui. Oui, oui, on est d'accord, ça tire. Ouais, mais en fait, j'avais pas la deuxième oreille du casque et c'est une grave erreur sur PUBG. Il y a un cache-flamme ici. Ok, donc ils sont juste à gauche. J'ai entendu une porte, c'est toi? Ouais, c'est moi. Vas-y, viens, tu me suis? Je te suis. Je ne vois personne. Ils sont là? Non, ils sont pas là. C'est des papiers qui veulent. Je suis pas très bon en démarcation de papier. C'est à gauche là. Hein. Enfin, c'est à gauche. Mais putain. C'est à 60 quoi. Je ne vois personne. Ah si, attends. Non, c'est toujours les papiers qui volent. Putain, nique ta mère de papier. Il y a beaucoup bon, de fenêtres. Les couilles, frère. Vas-y, viens. Ok. Ils sont forcément par là. Bah, ils sont pas loin en tout cas. Parce qu'on les entend tirer vraiment très près. Ils sont dans cette baraque. Tu penses? Bah, c'est ouvert. Bah surtout ils tirent sur quoi en fait? C'est ça la question. Non, moi je pense qu'ils sont devant moi. Hein. Tu vois où je suis? Ouais, non, ils sont là. Enfin, ils sont là, je les vois pas, mais je les entends là-bas. Tu les vois? Il y en a qui ont un silencieux. Ouais, ok, attends, je ressors par là. Ah, j'en vois un. J'en vois un pile en face de moi. Donc, si tu peux contourner, viens vers moi. J'en vois un, mais je pense pas que ce serait pertinent que je sorte pour lui tirer dessus. Il est devant la porte, mais je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu parce qu'il est caché derrière un truc et il sort pas. Juste en face, hein, vraiment dans la maison en face. Alors après, là, je le vois plus, donc ça se trouve, il est en train de faire le tour. Mais il était devant la porte de la maison en face et caché derrière des trucs. La maison bleue, là ? Ouais. Ok, parce qu'en fait, il y avait lui qui tirait et il y avait un mec au silencieux. Donc du coup, j'ai pas pu savoir d'où il tirait. Ce qui est logique. Je vais tenter là de passer un peu plus à la droite pour voir si je le vois arriver à droite. Il était dans la maison bleue, hein, on est d'accord. Il était pas dans la maison bleue, il était devant la maison bleue. Tu vois, celle avec un tag devant là. Pas la bleue claire, hein, la bleue foncée bicolore au fond. Ah, avec un espèce de tag, avec le tag de devant, casque. Ouais. Ouais. Et ben il était devant, enfin il était entre les deux maisons, entre la maison bleu ciel, enfin la cabane bleu ciel, et la maison bicolore derrière. Il était derrière un muret, d'accord, en train de nous regarder. Donc ils étaient un peu loin quoi.
Ah, ils étaient à 50 mètres. Mais sauf que là, c'était il y a 2 minutes, quoi. Donc le gars, il a peut-être bougé entre temps. Oui, mais enfin après, il... Je ne vois personne. J'ai avancé un peu. Il y a quelqu'un qui a tiré. Je me suis tiré dessus. Ah, c'est toi ? Ouais, ouais, il m'a tiré dessus. Non. Okay, c'est un mec qui m'a tiré dessus. Qui t'a tiré dessus. Hop, là c'est re sur moi. D'accord, donc je vois absolument pas. Ouais. Je suis au sol, mais je vois absolument pas d'où ils m'ont tiré dessus. Essaye de. Bah, t'es mort. Devant, dire... derrière. J'allais te dire, fais le tour pour que je te soigne, mais. Écoute. Bah, je me suis mis à l'opposé des premiers tirs, mais en fait, je pense qu'on s'est foutu entre les deux. Ouais, franchement, je pense que oui. Et là, ils tirent sur la cabane parce qu'ils savent que je suis dedans. Sauf qu'il n'y a aucune balle qui perce. Donc, je pense attendre derrière la porte. Et quand il y en a un qui l'ouvre, je le def. Ça peut être une solution. On est dans la zone. En fait, à mon avis, t'es entre les deux teams là. Donc. Putain, j'ai plus accès à la carte. Ah si, j'ai accès. Ouais, c'est bon, la zone, c'est bon. Bah, moi, j'ose pas sortir. Hein, pour être pris entre deux feux. Du coup, j'aurai le chat. DayZ, c'est full basé sur Arma. Ouais, ouais, c'était un mode d'Arma. Désolé, avec 20 minutes de retard. C'est vrai qu'on a pas. Du coup, la partie a commencé. Oh, tiens, une trousse de bandage. Ah, ouais, H1Z1 aussi, ouais, c'était. C'était ça que je cherchais tout à l'heure. Je sais plus. H1Z1, c'était pas ce qui s'appelait. Infestation, Survival Story, un truc comme ça à l'époque, là. Ouais. Premier jeu de zombies. Bah, c'était un jeu de zombies, c'est possible que ce soit celui-là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je sors là ou je reste planqué comme un con? Bah, moi je pense que tu devrais sortir et aller essayer de le chercher dans la putain de maison. Attends, je suis mort où moi là? Là, juste là où je vas-y, ouvre la porte. Ouvre la porte. Bah, elle est ouverte là. Ah oui, mais en fait on a décalé, putain, fais chier. T'es mort là. Là où je regarde, si tu regardes le spectateur. Eh ouais, mais comme j'ai 30 secondes de décalage. Ah, je pensais que tu regardais en bas. Là, je te vois en train de. Je te vois en train de ramasser les bandages. Ah, mais oui, c'est vrai, il y a le mode spectateur. Vas-y, ouvre la porte. Je sors? Ouais, full à gauche. À gauche? Ouais, cours, cours, cours. Cours, ouais, non, bah mais non. Cours! Pas derrière le mur à gauche. Voilà, vas-y, voilà. Donc maintenant tourne-toi, voilà. Donc le mec est dans la maison verte là, il y en a un dans la maison verte. Et il y en a un, qui est carrément à droite. Ouais, ouais, ouais. Et ils sont comme des connards en train de... Ouais, je l'ai vu, il est dans la maison en face. Tu l'as vu? Droite. Où ça? À droite? Non, il était à la fenêtre dans la maison... Là, non, c'est non, la droite. Tourne, hein. tourne. Oui, oui. Ça, c'est la gauche. Bouge pas. Dans la maison, là-haut, là-haut. Ah oui, il est là-haut, je le vois, ouais. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que si je réussis à prendre la Scarle, j'ai une lunette x6 dessus. Par contre, ah, après... Royal. Ah pas... oui, exact, il est dans la petite fenêtre. Putain, la quiche à l'œil. Ouais. Ah, il était là, il était là. Faut qu'il sorte. Bon, après, faut que je tire. Habillé aussi. Ouais. Ouais, mais là, tu la start, il va se bouger. Je sais pas. Et puis, il y a l'autre qui peut arriver à n'importe quel moment. Joli! Oh putain! Oui! Oui! Et pourquoi il meurt pas? Vas-y, Zinedine! Allez, sors ta tête! Ah, bâtard! Vas-y, rush la maison, rush la maison! Ah ouais? Bah ouais, il est en panique là, c'est fou, il est en train de se soigner, ce connard. Voilà, prends l'UMP, ouais, c'est ça. Tu lui fous une rafale là? Bah, va falloir qu'il me foute pas la rafale avant, parce que moi je me connais, hein. Dans les situations de panique, je panique. Il va crier. Les escaliers sont à droite, voilà. Eh, mais je sais pas où il est. À droite, la porte à droite. Tu penses? Oui. Ah, je dirais celle de gauche parce qu'il a bougé cet enfoiré. Mais il est nulle part. Il est nulle part. Il est parti. Refais, ouais, vas-y, refais là. Il est 100% parti. Salopard, le salopard. Par contre, c'est... Ah oui, c'est mon viseur point rouge, ok, je me demandais... Ou alors, il est dans une pièce en bas.
Il y a cette probabilité aussi. Ouais. Non, il est pas là. Il est parti. Putain, c'est dommage. C'était un bel assaut et tout, là. Merde. Écoute, j'y vais en mode YOLO, on s'en fout. Hein ? Il y a un gars mort, ici. Ouais, il y en avait un autre devant. Ouais, non, mais le mec a fait du score. Hein. Qui s'appelle d'ailleurs Canedude, parce qu'il est mort. Il y a une porte ouverte, ici. Probabilité qu'il soit dedans. A priori, en haut, comme un connard. C'est pas la maison. C'est la maison dont je viens de sortir. Car je reconnais tout ce qu'il y a dedans. On comprend pourquoi c'est moi qui ai le sens de... Oh, il y a un mec en face qui a bougé, là. Il y a un mec en face sur ta droite, là. À gauche. À gauche. Là-bas ? La maison bleue, là. Ouais, maison bleue, il y avait un mec dedans. Dedans ? Ouais. À la fenêtre, il y a un mec. Il me tire pas dessus. Non, parce qu'il courait, donc... Je vais dedans ? Et après, ça veut pas dire qu'il n'y en avait pas d'autres derrière toi non plus. Hein. Ouais, bah tu sais, après, moi, j'ai plus rien à perdre. Hein. J'ai perdu mon compagnon d'armes. Ils m'ont volé mon syllabe. C'était pas cette maison, hein. Mais c'est pas grave, là, c'est bien. Oh, il est juste là ! Bon là, franchement, Ah ! Il me tire par la fenêtre ! J'ai plus de base... Non, recharge. Prends l'autre arme, prends la Scarl. Fous la Scarl en auto, fous-lui des rafales, là. Il a rien comme arme, le mec. Ouais, il a un poil, en plus. Il grenade. Putain, je n'arrive pas à le toucher avec la putain de Scarl. T'es tendu comme une crampe. Ouais. Je suis pas très bon, Oh là là. Ah, putain. Oh, il y a un autre mec qui l'a tué, fais gaffe. Ouais, j'ai vu passer, ouais. Et en tout cas... Il est mort. Oui. Oh, joli. Il est mort et moi, je vais mourir dans deux secondes. Dans la rue, ça gueule pour le match de foot, nous, on gueule sur PIBG. Si je me fais buter, je m'en fous, j'ai fait un kill. Un frag. Ah ouais. Et puis, celui que tu poursuivais, je pense que, vu la frayeur qu'il a eue, il reviendra pas, le mec. Ça se trouve, il a des trucs, mais je me suis dit, vaut mieux pas le looter comme ça, à découvert. Mais regarde quand même, s'il a pas des... Bah, il a une boisson énergétique. Un sac à dos niveau 2, ce qui est très bien. Ah bah, une poêle. Ah bah, un pantalon, voilà. Ah, voilà. Un compensateur. Chargeur XXL, pourquoi pas. Ça, je sais pas si ça se prend. La lunette, j'en avais déjà une, mais ça m'en fera une deuxième. Un silencieux. Silencieux, on le rajoute. Cache-flamme, je sais pas si on peut le mettre. Ça non plus. Ça non plus. Celle-là, silencieux on peut deuxième. Et utiliser la boisson énergétique. Je viens d'avoir une notif. Comme quoi, Twitter a stocké les mots de passe en clair et recommande à tout le monde de les changer. C'était pas GitHub ? Non, là c'est Twitter. Ah là, c'est Twitter. Super. Alors par contre la zone quoi. Bah la zone t'es très bien là. Ah ouais ? Parce que c'est pas ce que me dit la carte. Ouais. Hein. Non, faut que j'y aille. Faut que j'y aille dans 2 minutes, mais autant y aller maintenant. Ouais, mais faut que j'y aille, mais celle qui vient de se rétrécir, t'étais pile à la limite, donc c'est nickel. Ok. Le gars il me félicite sur le chat. Là, essaye de trouver un petit garage où t'aurais peut-être un véhicule. Ouais, je pensais à ça aussi. Bon, ok, si t'es loin de la ville, tu vas pas trouver, mais... Ok, alors attends. Là, t'es là... Ouais, bah essaie d'aller un peu sur ta gauche. Ouais, rejoindre la route. Ah ouais ? Bah du coup, sur la droite alors. Voilà. Rejoindre ouais, la sortie du village. Attends, vérifie cette baraque. Vérifie cette baraque là parce que ouais là il y a un garage, on sait jamais. Il y a Aldra qui là, cette porte, répéter, là. Hop, là, à droite. Qu'est-ce qu'il veut que je répète ? Ah oui, c'est sûr qu'avec 30 secondes. Je pense qu'en fait c'est quand tu disais il y a pas de garage. Ah si, il y a un garage, oui, pardon. Sur les mots de passe. Ouais, il y a un garage. Non mais là c'est mort. Oh bah prends la trousse de soins, voilà. Une trousse de secours de soins. soit ça, soit quand tu disais il y a les gens qui crient pour le match et nous on crie pour PUBG. Donc il y a les gens qui crient pour le match, nous on crie pour PUBG.
Et il y a un match. Il y a un match apparemment. Apparemment, il y a un match de foot. Ah, mais oui, il y a un match de foot. Oui, bon, on s'en bat les couilles du foot. Oui. Par contre, si vous voulez, je peux vous parler une heure du handball français. Ah, ouais, non, du rugby à la limite, si tu veux. Non, ça fait longtemps que le rugby, j'ai arrêté de suivre. Genre, des coupes du monde. Mais le handball, ouais, le handball, c'est rigolo, mais le handball, c'est juste pas assez médiatisé et pas assez. Pas aussi important que le foot et le rugby, quoi, je veux dire, avant. T'as dit important ? Important. Ouais. Écoute, je vais avancer. Il y avait un truc par rapport à Twitter, ouais, c'est ça. Oui, j'ai vu des notifications dans mon feed Twitter qui disaient de changer les mots de passe. Et apparemment, ils auraient stocké des mots de passe en clair. Twitter a reconnu avoir eu un bug qui a fait stocker les mots de passe en clair. Donc, et là, j'ai carrément eu une pop-up quand j'ai ouvert l'appli sur mon téléphone en me disant « Ça serait cool si vous changez votre mot de passe, on est nuls ». Mais je trouve ça bizarre parce que j'ai vu la même news avec GitHub aujourd'hui et donc que les deux, même jour et la même bug. Mais là c'est Twitter qui dit carrément changer mon mot de passe. Moi j'ai pas eu de. T'es à la bourre, pof. GitHub quoi. Ouais, je sais que je suis à la bourre. Je regardais s'il y avait des véhicules, mais. Mais comment on peut du jour au lendemain stocker des mots de passe cryptés et du jour au lendemain les stocker en clair? Bah pour le cas de GitHub en fait ils s'étaient chiés, en fait les mots de passe passaient dans le log. Ils loguaient sûrement la requête ou une connerie comme ça et du coup c'était en clair. Je sais pas si je vais la dessus, je vais la tanker. Je vais la tanker. Ça va être chaud. Ouais. Parce que t'as une rivière à traverser donc J'ai une rivière à traverser? Ouais. Mais ouais, il stockait des. Ah oui, la requête de connexion, tu veux dire? Ouais, par exemple, ou n'importe quel truc à la con, où le mot de passe était utilisé, et du coup, ça devait. Oh putain, il y a un mec devant toi. Il y a deux gars, il y a trois gars. Ils sont tous en train de courir. Mais défonce-les. Ah oui, t'as une fois 6, t'en sous. De toute façon, t'es mort là. Bah non, je suis pas mort. Tu penses que je suis mort? Bah. Ah bon, ok, ça se tente. Perds pas de temps, ça se tente. La trousse de soins, ouais, bah du coup, en fait, est-ce que la trousse de soins je la fais avant là maintenant ou je la fais après quand je serai à plus de vie Attends encore un peu. Sachant que là je vais peut-être me faire dev par des mecs qui eux sont bien. Je la ferai bien la trousse de soins là, quand maintenant, même. Maintenant tu peux taper la trousse de soins là. Et je crois qu'il y a un mec qui me tire dessus. Non, il te tire pas dessus, t'inquiète. Trousse de soins, boisson énergétique. Allez, go! Cours! Ah ouais, pas mal. Cours, Forest! Parce que boisson énergétique, alors si je pouvais juste me relever, merci. En théorie, ça me fait un peu de régène, mais non, j'en avais peut-être pas assez. Ouais. Par contre, tu prends le pont et tu. Je vais me faire def. Tu cours direct, quoi. Parce que la prochaine zone, elle est un peu loin. Tu vas mourir en poule. Oh, je suis pas mort en poule, regarde, je suis top 30 déjà. Ah oui, c'est vrai. Hey, j'ai fait un frag, hein. Ouh, quel homme. À droite, hein. Bah, à droite, putain. Poutre-le. Prends-lui un peu, là. C'est bon, il est condamné. C'est bon, cours. Il est mort, lui. Il est fini. Ah, je me demande si... De toute façon... Moi aussi, non. T'atteins la zone, tu te fous un peu dans l'herbe et tu regardes à droite. S'il a survécu... Il sera là, mais à mon avis, il est mort. Bah, il y a un mec, Coleman a été neutralisé à l'extérieur de la zone de jeu, c'est peut-être lui. Ouais, bah ouais, mais c'est bon, c'est lui. Nickel. Oh putain. Cours, Forest! Surtout faire bandage, quoi. Continue, non, mais prends pas de bandage, cours, continue. Ah, mais je vais crever. Il te reste 10 secondes. Ouais, t'es mal barré. Bah, surtout qu'il y a un gars qui tire dessus, par contre. Voilà, ouais. Ça se trouve, c'est le gars sur lequel j'ai tiré. Non, ça venait de la gauche et c'était loin. Eh, j'ai fait top 17. Du coup, j'ai une question. Quand tu joues en team, tu joues sur une map où il n'y a que des teams? Ouais. Et est-ce que les autres teams ont le même nombre de membres que toi? Pas là, forcément. Vous étiez deux. Est-ce qu'il y a des mecs qui peuvent se pointer à 18, tu vois? Non. Ouais, c'est une pelle volante. C'est une pelle volante qui m'a tué. C'est grave. Hop. C'est pas normal, ça. Franchement, il y a une probabilité que ce soit le gars sur lequel j'avais shooté. Est-ce que c'est un jeu de quoi? Mais non. Non, c'est un gars qui avait une lunette et qui a vu tous les gars qui arrivaient.
Mais oui, les balles que t'avais, elles venaient de super loin. Je crois que les teams, c'est 2 ou 4. Enfin, de toute façon, c'est pas plus de 4. Ouais, tu peux faire solo, duo ou solo contre des teams. Ouais. Mais en gros, ouais, c'est 1, 2 ou 4. Ok. Et si jamais c'est avéré que tu joues genre à 8, tu peux te faire ban complètement à vie. On en fait une autre vite. Ouais, bah ouais. Moi, je suis chaud. On meurt un peu vite. Allons-y. Ah, après, ouais, il y a des gens qui jouent entre eux, mais bon, les devs les repèrent assez vite quand même. Bah, c'est sûr que quand toi, tu... T'as des ennemis dans la même zone, mais qui, comme par hasard, avancent ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Les mecs qui sont pas censés être en équipe et ils jouent ensemble et ils meurent pas, bon, c'est un peu louche. Ouais. Mais après, c'est un jeu. Enfin, là, ce qu'ils expliquaient, c'est que apparemment, il est pourri par la triche. Sauf que moi, depuis, je sais pas, 2 ans que j'y joue, ou 1 an et demi, enfin, je sais plus quand il est sorti, je suis jamais tombé sur un cas où je pense que le mec a triché, quoi. C'est, tu vois, c'est toujours du lag, ouais, ok, tu passes derrière un mur, à une demi-seconde près, bon bah tu prends la balle, bon, c'est du lag, on va dire. Ouais. Jamais tombé sur un cas de triche avéré, quoi. Et par contre, tu vas sur YouTube, hein, t'as des vidéos, tu fais, ouais, bon bah là, le mec, c'est sûr, il cheat, c'est impossible. Et moi, ça m'est jamais arrivé, quoi. On fait school ? Et... Hein ? On va à school ? Ou c'est trop la merde, school ? School, y a beaucoup de monde. C'est en plein milieu en plus. Ouais, ouais, c'est. Il y a beaucoup de loot, mais il y a beaucoup de monde. C'est la bagarre, hein. Et moi, si on peut faire la bagarre, on va faire la bagarre. On peut tenter la bagarre. Ouais, ouais, grave. Vas-y, on se fait la bagarre. Après, peut-être que leur système d'anti-cheat, il est efficace, justement. Et que c'est pour ça que t'as pas croisé de gens qui cheat. Et ouais, mais apparemment, tout le monde se plaint que c'est, oui, trop de cheaters, trop machin... Non, mais bon. C'est les mauvais joueurs. Ouais, après, des fois, c'est vrai que... C'est pas réaliste, si le mec il cheat, mais... Ouais, je te dis qu'on saute. Oui, par exemple, je veux bien. Il va y avoir plein de monde, là. Hein. Ouais, bah... Là, ça va être... En plus, à school, c'est des couloirs de gymnase, c'est rigolo. Ça sent la chaussette et tout, c'est cool. On saute ? Allez, 3, 2, 1, go ! C'est la première fois que j'y vais. Ouais, mais tu fais laguer le jeu en fait. Ah, il y a beaucoup de monde là. Ouais, et puis je suis pas du tout au bon endroit, c'est génial. Allez, je te vois, je te suis. Bon, écoute, on a des warriors, on va vraiment à la school. Allez. Elle est où ? Là ? Il va y avoir plein de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Bon. Hop, plein de replis, plein de replis, il y en a pas. Bon, on va à la school. Ah oui, d'accord, mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis même pas sûr d'y arriver à la school. Toi non plus, d'ailleurs, t'es en train d'arriver en bas de la school. Ah bon, je suis dans la school. On va crever. Ah ouais, non, mais là, c'est sûr. La school, c'est atroce. Ça te sert déjà. Oui, oui, oui. Non, non. Eh, eh. Tu es mort ? Oh. Non, j'ai mis une patate. Ah merde, merde, non ! Ah merde ! Non mais... Oh. T'es mort toi aussi ? Ah, elle avait un Scarl aussi, elle avait un Scarl. Qu'est-ce que je veux dire ? Mort ? Bah moi je suis mort, hein. Oh putain... T'es mort aussi ? Oui, oui, oui. Oh. Bah la meuf elle s'est posée devant moi, elle a couru, elle a eu un Scarl. On fera pas ce coup, hein. Ce que j'ai vu récemment, c'est une meuf qui cheatait sur Counter-Strike. Genre, ça lui affichait à travers les murs les squelettes des gens et la vie qu'ils avaient. Ah oui, mais ça, ça... Et sauf qu'elle l'a fait, fait en direct sur Twitch. J'ai pas trop compris, apparemment elle s'est chiée, elle voulait pas le lancer, elle voulait le fermer, mais elle l'a lancé à la place. Et au début, oui. Elle a pas trop fait gaffe qu'elle l'avait lancé. Et après, du coup, elle a fait « Ah non, mais qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends pas !» Et du coup, elle s'est fait ban de Counter-Strike et elle s'est fait ban de Twitch. Tu m'étonnes. Ouais, c'était pour faire du buzz et manque de peau, ça a raté parce que ça fait ban de Twitch. Parce que ce qui est important, c'est pas de se faire ban du jeu, tu t'en bats les couilles, tu rachètes le jeu et voilà. Ouais, bah, par contre, ban de Twitch, c'est un peu plus emmerdant. C'est ça. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils bannent de Twitch quand tu triches. Hein.
Solari, d'ailleurs, ils ont été déban ou pas? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, Solari, déjà? Ils avaient expliqué en live Twitch comment avoir un compte de Twitch Prime sans payer. Et du coup, Twitch a pas aimé. Tu m'étonnes. Ah oui, non, mais Solari, après, c'est quand même Ultime eSport, tu les bats pas comme ça, quand même, quoi. Ah bah, ils les ont bannés. Le mec qui avait expliqué le truc s'est pris un permaban, et la Web TV, en fait, s'était fait ban une semaine. Quand même. On parce va que Solari, c'est une des équipes de top... Enfin, tu vois, sur Fortnite, c'est une des premières équipes, quoi, Solari. Ouais, ils sont à fond sur... Sur League of Legends, non, aussi. Ils ont un peu de tout, j'ai l'impression. On va à Gatka. Sure, pardon. Ils ont un peu de tout, ils sont à fond sur League of Legends aussi. Non, Gatka, c'est du caca. Ok. On va aller là. Où ça? Ok. Tu me dis quand c'est. Pierre. Putain, j'ai eu un violon. Là, je ne sais pas comment on prononce ce mot en anglais. Pierre. 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 Go. Pierre. Pierre. Pierre moustache. Pierre. Ouais, tu dis Pierre. Je sais pas. Comme papa Pierre. Comme Pierre and Pearl. Pierre. Ah, ou Pierre, Pierre and Vacances. Putain, ça fait 10 ans que j'ai pas entendu ce mot. Ah, j'avoue. Alors, j'avoue, ça remonte un peu à l'enfance. Ça, mais ça fait moins de 10 ans que t'avais entendu Pierre and Pearl. Ouais. Du coup, on va... maintenant c'est quoi? C'est Central Park qu'on va parler Central Core. Mais c'est Central Core. Le chien ne vient que si c'est pour me ramener une bière. T'es mal éduqué. Il n'a pas de pouce. Je vais là. Je vois pas le rapport. Il peut pas attraper la bière. Je demande pas de me la décapsuler, juste de me la ramener. Oui, mais il peut pas l'attraper. Voilà. Y'a personne avec nous, j'ai l'impression. Il est heureux. On dirait, ouais. Tu fais chier. T'es chiant. On dirait qu'on est tout seul. Ah, ça, c'est bon, ça, mec. C'était pas la porte de la maison, c'était la porte d'une cabane. Y'a un casque V1. Enfin, moto. Ouais, moi aussi j'ai un casque V1, mais on s'en fout de ça. Oh, une trousse médicale. C'est une trousse de soins, quoi, mais... Lunettes x6, putain, c'est un nouvel item, ça. Avant, ça n'existait pas, lunettes x6. Ouais, mais peut-être que c'est l'effet chin-chin. Ah, mais moi, ça emplit ma vie de joie. Je peux avoir des lunettes x6, arrête, maintenant. Arrête. Surtout que toi, tu voulais les x8 pour dézoomer. Du coup, ça colle bien, mais... Alors, un ouais, VSS. Mais... Vas-y, le chien, parle au micro. VSS, c'est pas mal. C'est un sniper. VSS, c'est un snipe 9 mm avec silencieux intégré. Quoi? Un snipe 9 mm avec silencieux intégré. Okay. Donc, tu peux tirer loin. Par contre, ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc, il faut être précis, il faut être. Il faut aller les tirer, quoi, les gens de loin. Faut avoir l'occasion, parce que quand ils sont prêts. Ah, s'ils sont prêts, tu pars en courant, bien entendu. Et tu peux pas zoomer avec. Bah si. Bah non. T'as une lunette x4 intégrée. Oui, t'as une lunette x4, mais après, enfin... tu peux pas dézoomer ou zoomer, c'est vraiment la x4... Ah, oui, non, non, oui, non. Ouais, c'est une x4 de base. Exactement. Ok, bon, bah je suis sorti. C'est moi, ça, hein. J'ai cassé une fenêtre. C'est toi qui as tiré là? Non, j'ai cassé une fenêtre. Ah, ok, d'accord. Et je suis dans une cabane où il n'y a rien du tout. Il y a des pneus? Bah. Tu veux des pneus? En fait, il n'y a personne avec nous là, donc ça va. Par contre, moi, j'ai pas un sac à dos, j'ai rien, donc là, je suis un peu dégoûté. Je viens de choper un snipe. J'ai trouvé un sac. Mais. J'ai un sac à dos! Sac à dos, oh, j'ai un sac à dos. On dirait du japonais. Oh, oui, c'est un sac à dos. Je suis dans la petite tour et j'ai envie de te dire que. Il y a une scar là. Mais prends là. J'ai double x6 là. Je peux te filer une x6. Évidemment, je la prends. Il est fou. Donc, mon gars là on est. La scar, tu m'avais dit de la mettre en manuel. Ouais, parce que tu dois tirer de loin avec. Après, tu peux la basculer en auto aussi. Hein. En auto, corps à corps, est très efficace. Mais si t'as un UMP, un Tommy Gun, un truc comme ça, avec, garde-la plutôt pour loin, distance. Ouais,
Moi j'ai un UMP9. Putain, mais par contre j'ai juste un sac à dos. Mini 14. Et un flingue quoi, j'ai pas. Pas un slip quoi. Mais c'est quoi ces nouveaux chargeurs de merde là? C'est ça. Pourquoi il est en colère comme ça? C'est ça. Calme-toi. J'ai un autre sac à dos. C'est un peu nul. Tiens, ça je prends. Oh oui, je prends. J'aimerais bien des vrais casques, putain. Et un. Bah grave, j'avoue. Oh putain, j'ai un SKS. Ouh là là. J'ai trouvé une trousse de bandage. Un gilet pare-balles. Niveau 1. Et je l'ai pris. Hein. Mais tu fais bien, moi j'en ai pas. Hein. J'en ai pas non plus, j'en ai un maintenant, mais. Mais j'étais tout nu. Tout nu face au vent. Une trousse de bandage. Oh mec, j'ai des armes de ouf là. Tant mieux. Des armes, quand on s'est visé, c'est létal. Et quand on s'est pas visé, eh ben. C'est quand même cool. Tu sais quoi, moi j'ai des canoës. Mais ils avancent pas, hein. C'est des canoës de décor. Ah ouais. Donc c'est inutile. Je précise au cas où tu n'as pas compris. Que ma remarque. J'avais saisi. Inutile. Je vais aller voir là-bas parce qu'il y a. Il y a un petit ponton. Je me dis, il y a peut-être quelque chose. Et non, il n'y a rien. Il y a d'autres maisons. J'hésite t'as à y aller. T'as fouillé toutes les maisons hein, de ton côté? Toutes celles qui sont ouvertes. Je peux pas te garantir que j'ai tout fouillé du coup. J'ai fouillé tout ce qui est ouvert. Ouais, mais t'as fouillé tout ce qu'il y avait dans ta zone. On est d'accord. Peut-être. Pourquoi pas hein. Là je suis parti vers un autre bout de zone qui était pas trop loin. J'ai trouvé un silencieux. Et une demi-poignée. Mais elle est rouge. Pourquoi elle est rouge? Silencieux quoi, t'as trouvé? Silencieux AR. AR, DMR, bah, je l'ai mis sur la SCAR. Ouais. Bah putain, mais t'es bien équipé là, mec. Bah attends, mais du coup, je peux te filer une fois 6. Bah je vais revenir vers si toi. Si t'as une AR avec silencieux... Bah en fait, tu veux pas venir toi, parce que moi, je suis dans la zone. Et toi, non. Oui, non, mais j'arrive. J'arrive, t'inquiète. Ah, du coup, AK ou MP9, je vais garder SKS. Hop là. J'arrive, je vais te filer une fois 6, que tu vas garder pour ton Skarl, du coup. Je regarde parce qu'il y a des maisons autour et il y a possiblement des gens, mais... Bah non, on était à peu près tout seul. Par contre, ce qu'il faut te méfier, c'est le pont. Bah je regardais côté pont, justement. Bonjour. Tiens, je te file ça. Ah oui, effectivement, c'est une lunette x6 pour l'escarre. Ouais. Tiens, j'ai ça aussi, c'est cool. On monte sur les maisons là qui sont à côté. Ah bah ouais, faut qu'on aille les fouiller. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a personne. Non mais là franchement je pense qu'on est un peu tout seul quoi. Il y a une AK là si tu veux. S12K tu connais? Ouais c'est un pompe automatique, c'est de la merde. Enfin c'est de la merde. Là ce stade ça ne sert à rien. M16. Non. Putain par contre des AK il y en a... Il y a 3 AK dans la maison où je suis, quoi. Ah bah putain, une trousse médicale encore. Tu la veux? J'en ai une. Trousse premier soin. Moi j'ai une trousse médicale, donc je pense qu'elle est mieux que trousse premier soin. Et j'en ai 2, donc je peux t'en filer une. Ouais, bah allez. Rejoins-moi dans la petite cabane. Je te rejoindrai dans la petite cabane d'ici quelques minutes. Je vais d'abord... Putain, mais cette maison, elle a combien de pièces? Ouais, elles sont horribles à fouiller, celles-là. En plus, il y a des balcons. Putain,
Putain, mais il y a des balcons avec plein de portes. Et des trousses de premiers secours. Donc, du coup, j'ai une trousse de premiers soins et deux trousses médicales. Donc, je suis. Appelle-moi le docteur. Mais on est bien là, donc on fait fouine. On est tranquillou. Oui, ah, par contre, faudrait qu'on traverse maintenant, quoi. Oui, tu veux. Vas-y, bah sors. Y'a un mec avec nous. Où ça? Y'a un mec là, juste là. Mais c'est moi qui viens de sauter. Hein. Ah non, y'a un mec là. Oh, putain. Ouais, je l'ai buté, y'a deux mecs. Oh putain, il m'a buté. Enfin, il m'a pas buté, je suis pas mort, mais il va me buter là. Il vient vers moi. Il est à gauche, à ta gauche. Tu le vois? Il est à la maison. Ouais, je le vois. Il vient vers toi, vaguement. Enfin, il est derrière les caisses. D'accord, donc là, je tire dans la rambarde en fait. Ouais, c'est dommage, hein. Et moi, je peux pas lui tirer dessus, on est d'accord? Non, je suis complètement mort. Enfin, je suis pas mort, mais. Putain, il vient me finir. Mais il est passé où là, putain? Et il m'a fini, il est là où j'étais. Il vient, il est en train de me looter. Comme un con, hein. Ouais, non, il m'a buté. Ah, il t'a buté? Ah, oh, dommage. J'ai pas vu où il était parti, putain, c'est chier. Ah, mais il y avait un autre gars. Ah, oui, d'accord, t'as tué un autre gars et ils étaient deux en fait. Toi, c'est ouais, dommage, ils étaient deux. Ouais. Bien. On était bien, il est l'heure de se coucher en plus. Bah, on était stuffé et tout là, putain. Ah, la déception. C'est vraiment un jeu de merde. Aïe aïe aïe. Bon, mais c'était rigolo quand même. Oui. Oui, oui. Est-ce que je signale le joueur spectateur? Je le signale, je fais ça, connard. Ah, je suis en train de voir le replay sur Twitch, c'est n'importe quoi. Ouais. Ben, eh ouais, ce bâtard, il a fait le tour, ok, putain. Ah, il nous a bien niqué. Il nous a bien niqué, l'enfoiré. Tant pis. Bah, c'est pas grave, on était fièrement halal, quand même. On a été dans le... C'est vrai, tiens, ça affiche ça. Jusqu'au bout du chicken, là, donc c'est bon. J'ai quitté le jeu, ça l'a affiché direct. Bon, eh ben. Et sur ça, c'était une bonne soirée. Bah ouais. À qui on a montré notre magnifique skill. Ah bah là je pense que les gens en ont eu pour leur argent hein. Ouais. Bon bah écoute, si tu veux rejouer si... Franchement, regarde For the King. J'ai regardé, c'est ouais, pas... mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est un truc RPG tour par tour Ouais ouais, mais c'est très sympa à jouer. C'est mignon. Et ça, c'est peut-être pas très sympa à voir en live, mais... Je sais pas, c'est rigolo à jouer. Sûrement, c'est le jeu de jouer, franchement, c'est. Et puis, il faut du skill, quoi. Enfin, c'est. C'est de la stratégie. Un peu technique. Quoi. Stratégie ouais. RPG. Ouais, ouais, moi j'aime bien. Enfin, bon, voilà, tu regardes et puis regarde, tu me dis. De toute façon, là, pendant deux semaines, ça va être compliqué, mais. Ok, bon, bah écoute. Mais. On se tient au courant. Au retour de vacances, pourquoi pas. À bientôt, du coup. Vous allez où déjà en vacances, là? En Suisse. Non, au Canada. Canada, non, ouais, c'est ça, ouais. Okay. Thaïlande, non, attends. J'essaye de brouiller les pistes. Ladyboy. Non, à Québec. C'était Canada, ouais. Oui, Québec, ouais. Ah, bah vous allez vous éclater. Vous partez quand déjà? Dimanche. Dimanche. Cool. Ouais, tu vas te taper 12 heures d'avion. 8. Ça va être rigolo. 8 heures, ça va, 8 heures. Franchement, j'ai déjà fait des Paris-Toulouse plus longs hein, avec la SNCF. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, ben amusez-vous bien. Profitez-en. On va tenter. À la prochaine pour un apéro. Oui, bah faut qu'on organise ça. Ouais. Oui, bah ouais, s'il y a pas Max, c'est bon. Non, mais justement, je suis pensé à la limite dehors plus, parce que bon, avec Max, les voisins, ils commencent à peine à être... Ouais, ils viennent de s'en remettre, ce serait dommage de les retraumatiser. Ils viennent de se remettre du gars qui gueulait « Enculé !» dehors. Okay. Ah, putain, ouais. Non mais tu ne comprends pas ce que je te dis. Ah, non, il est les vegans ont des super pouvoirs. Descends sans emporter le micro. Allez. Bonne nuit. Bon et bien amusez-vous bien. Ciao. Et puis bah, à la prochaine du coup. Ciao et merci à ceux qui ont suivi le live. Yes. Escaldra a changé son mot de passe Twitter. On ne saura ouais. pas. On ne sait pas. Et bonne nuit. Allez, ciao. Et joyeux Noël. Bon baiser de France. Et ciao aux trois personnes qui restent sur le live. Dont Syllab, à qui on vient de dire au revoir. Allez, ciao.